Merci à tous d'être présents. Je vais juste garder l'œil parce que je crois qu'on a 1h30 et vu le nombre d'intervenants, ça va être très tendu. Donc moi, mon objectif, c'est d'essayer de traiter, c'est assez ambitieux, parce que là, on va aller de Gravelines à Lourdes en passant par la Hague, donc c'est pour donner un paysage complet sur la question du nucléaire. Et pour ça, on a la chance d'avoir des éminents experts sur ces questions. Je veux aussi vous laisser un temps de parole, donc on va essayer, c'est extrêmement difficile vu le temps qu'on a, mais on va essayer de tous se tenir à ça. Donc je vais vous présenter d'abord les différents intervenants. Je commence par retourner par le local de l'État, donc Jean Senam, qui est... donc c'est Senam ou Senaim en anglais, je ne sais pas. Senam. Donc qui était journaliste à La Voix du Nord pendant un moment, ensuite DIRCOM de la communauté urbaine de Dunkerque, secrétaire général, puis président de l'Assemblée de défense de l'environnement du littoral, Plan d'Artois, et membre surtout de la CLI. Qu'est-ce que c'est que la CLI? Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est qu'une CLI, de la centrale nucléaire de Gravelines, membre du CA de l'AMCLI aussi, et membre du directoire risque industriel de France Nature Environnement. Ensuite, je me tourne à Guillaume Blalette, qui est donc militant anti-nucléaire, secrétaire du collectif Stop EPR et administrateur de l'association Effet de Serre, toi-même. Administrateur du réseau Sortir du Nucléaire. Et donc qui s'est greffé dans un deuxième temps. On a des petits soucis pour caler tout le monde. On va essayer de donner le temps de parole à tout le monde. Je me tourne vers André Jacques, qui est donc lui originaire du Cotentin, qui est militant nucléaire depuis 1975. Et donc vous avez milité notamment contre l'extension de zone de la Hague. Vous êtes membre du CRILAN. Vous expliquerez aussi ce que c'est que le CRILAN. Il y a beaucoup de sigles. On va essayer d'éviter les sigles et d'essayer d'expliquer toutes ces sigles au maximum. Même si ça se trouve dans la salle, vous êtes des experts, moi on ne sait pas, donc on va essayer de vulgariser un maximum. Vous êtes membre de la CLI, mais encore de la CLI d'Andra. Vous avez participé au groupe de travail inter-CLI sur le livre blanc des installations nucléaires de la Manche dans leur approche post-Fukushima. Vous êtes rendu également sur place à Fukushima, donc vous nous direz peut-être un petit peu là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous avez un blog aussi, le blog qui s'appelle le blog de Dieu. Michel Guérit, qui est donc originaire de Soulaine, qui est donc le centre, pour ceux qui ne savent pas, le centre de stockage en surface des déchets de faible et moyenne activité. Vous êtes ingénieur. C'est surtout la plus grande poubelle nucléaire du monde. C'est la réalité inconnue. Vous êtes ingénieur informatique et électronique de formation. Je crois que vous êtes militant anti-nucléaire, c'est de Tchernobyl. Je pense que c'est la suivante, il est là. Peut-être qu'on va essayer d'en parler pour chacun, mais on va écouter, on va essayer de parler plutôt du nucléaire en général, toutes les histoires personnelles. Vous êtes condamné à 3 mois de prison avec sursis et quelques milliers d'amendes pour avoir empêché l'Andra d'implanter dans l'eau un centre de stockage des déchets de faible activité à longue date. On vous appelle le trublion, c'est un peu le... Donc ce soir, il va essayer de rajouter un peu de piment dans cette scène, je ne doute pas. Vous avez été impliqué aussi contre l'implantation de l'usine nucléaire de Villemont en Marne, et vous vous présentez aussi aux élections locales, peut-être le seul élu autour... Enfin, pas élu, justement, parce que... On est quelques-uns à considérer qu'être candidat législatif, c'est avoir le seul élu, c'est tout. Hein. On ne cherche pas à être élu, Et des campagnes d'information antinucléaire payées par l'État, c'est une bonne idée. Voilà, c'est plutôt malin. Donc Laura et nous, vous êtes aussi vous êtes militante antinucléaire, vous êtes porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, et surtout, vous êtes la seule, il y en a peut-être d'autres dans la salle, on posera la question, mais vous étiez présent aux manifestations le 15 août qui ont fait finalement l'actualité ces derniers temps. Vous nous ferez un petit retour. Notamment sur ces manifestations, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont au courant. Et enfin, c'est pas notre liste, le top du top là. En diplôme, voilà, d'accord. Monsieur Bernard Laponche, polytechnicien, donc ça doit être un des rares polytechniciens anti-nucléaire qui fait immense plaisir de venir ici. Docteur, il y a une question, je ne savais pas, c'est vous avez deux fois de temps. Docteur des sciences en physique nucléaire et docteur en économie de l'énergie. Vous avez deux thèses. Parce qu'à 30 ans, ils sont merveilleux. Ah, c'est ça. Vous
le mec, il est deux fois même plus suite, quand même. C'est pas un rigolo. C'est pas un technicien. Non, ça rigole pas. C'est ça qui est invité à Polytechnique, on parlait. Ah, je pas pour venir dans la chance. Je sais combien c'est difficile et combien ils sont pas nombreux, donc j'ai énormément respect pour eux. Et vous avez travaillé au commissariat d'énergie atomique dans les années 70. Vous avez été responsable syndical à la CFDT. Ça a été un moment marqueur finalement dans votre passage à l'Atlantique. Vous avez été directeur général de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, donc, anciennement l'AFTAMI, qui est devenue l'ADEME. Vous avez créé en 1988 la maîtrise de consultation internationale sur la maîtrise de l'énergie. Vous avez été conseiller technique de Dominique Bonnet. Ça aussi, et cofondateur et membre de la société Global Change Énergie Partagée. Vous avez écrit plusieurs livres, Maîtrise de l'énergie pour un monde vivable, En finir avec le nucléaire, pourquoi être enfin, le top du top. Donc on lui laissera la parole en dernier. L'idée, ça va essayer de parler d'un peu tous les sujets. On a essayé de structurer en discutant, on s'est dit que finalement on allait décomposer ça en trois temps. J'espère que les intervenants vont me suivre sur ces trois temps. Le premier temps, ça va être la sûreté du nucléaire, et donc parler plutôt des différents risques autour des centrales nucléaires et des réacteurs, les probabilités, les conséquences, peut-être un petit point aussi sur l'EPR. Deuxième point, les déchets. Donc on parlera des déchets dans un second temps, avec là un zoom sur l'AG et bien évidemment BURT. Et un dernier point avant les questions sur le coût du nucléaire et un petit benchmark international, quelles sont les options. Avant ça, avant de vous donner la parole, j'ai mon rôle, c'est de poser un peu le débat. Alors plutôt que de faire un truc chiant, un peu possible, j'ai décidé de faire un petit jeu. Je vais vous donner des chiffres. Et c'est juste pour qu'on teste un peu le niveau de la salle. Et vous allez me dire, c'est quoi ces chiffres, qu'est-ce que vous avez. On va voir si vous êtes bon ou pas. Alors, premier chiffre, 75. Et vous pouvez jouer. Hein. Vous jouez dans un deuxième temps, mais on va d'abord jouer avec la salle. 75. Bravo. Alors, voilà, c'est là-bas. Les gens, ils ont 71, 77, en fait, des années. Et donc, c'est trois quarts d'énergie nucléaire dans l'électricité. Et le reste, vous savez ce que c'est ? L'électricité, ouais. Ouais, à 14%, le gaz à 6%, du charbon. Le charbon à 1%, ouais, du moins 5%, et l'éolien 3%, énergie solaire 4%. Mais aussi le coût du grand carénage. Ouais. Et on est sur l'électricité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu dans le dernier mois sur la transition énergétique, la volonté de passer de ce chiffre, donc de 75 à 50. Voilà, c'est ce chiffre qui est sorti dans la presse, on en parle beaucoup, l'objectif est de passer à 2025 à 50% de nucléaire dans la production d'électricité. On va en parler, je pense, autour de la table. Le problème, c'est que cette visibilité, cet endroit a été marqué, mais dans le plan climat de Hulot, on n'a pas du tout aujourd'hui le plan d'action et les marches pour venir. Il y a un chiffre qui a été sorti dans la presse, on va en sortir, mais pour l'instant on a fixé l'objectif, on sait toujours pas comment le gouvernement compte y aller. J'imagine que chacun d'entre vous viendra intervenir sur ça. Donc un point là pour l'instant, et je suis content que ce ne soit pas parce qu'on a un peu dévoilé sur le panel. J'ai décidé de garder pour les questions, et il y aurait deux questions pour les femmes, pour une question pour un mec. Donc vous allez pour essayer de rééquilibrer un petit peu. Le deuxième chiffre, c'est 58. Réacteurs. Alors, on aurait pu dire 59. On peut jouer avec les beaux. 58 réacteurs. Combien de centrales ? Toujours en activité. Toujours en activité. 19 centrales. Sur 19. Et combien de plus de 30 ans ? 49, 80%. Non. Ça change rien. 40. On arrive vraiment sur ça. On pourrait parler, alors au niveau mondial, quelqu'un a chiffre. Alors j'essaie de trouver le chiffre, il y a un problème, ils sont chaque année, donc j'ai un chiffre, je ne sais pas si c'est le dernier, j'ai 434. Sauf que, l'AIEA annonce par contre 287 réacteurs nouveaux d'ici 2030. Donc on voit, chaque année ça change le chiffre, tous les 6 mois ça change. On est en tout cas le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire. Qui est le premier ? Les États-Unis. Qui est le troisième ? Les Japon. Non.
La Corée ? Non. La Russie. Et le quatrième ? C'était le Japon, c'est parce qu'ils ont arrêté. Le Japon dans les 5 premiers mois. Non, mais c'est parce qu'ils ont arrêté. Et alors le quatrième qui arrive, là, qui va faire mal. La Chine. À suivre, effectivement, parce qu'il y a un Suisse, Canada, Royaume-Uni, et effectivement le Japon. Dernier chiffre, et ça, ça va faire plaisir à monsieur Latonche, 59,8, donc je n'ai pas le droit de répondre à cette question. 59,8. C'est le chiffre. C'est le chiffre. C'est eux ou pas ? Non. Il a inventé. Je précise que sa présentation va tourner autour du coût du nucléaire. Donc c'est le dernier chiffre qui est paru par la Cour des comptes sur le coût de production du nucléaire, 59,8 €. C'est l'augmentation de 20% des coûts. Ça va être un des gros débats aujourd'hui, puisque ces coûts, pour la première fois, alors on va avoir un débat, est-ce que c'est vrai ou pas, sachant que le dernier qui est sorti sur le PR, c'est 105 €. Sur le marché, le prix garanti avec les plans, c'est, donc j'imagine que vous en parlerez. Il y a des gros débats autour du coût du nucléaire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces coûts augmentent et surtout des organismes indépendants commencent à revoir leurs chiffres. On commence à rentrer sur des chiffres qui sont significatifs. Je rappelle que par exemple l'éolien, on est à 80 € du mégawattheure. Le solaire, sachant terrestre. 100 € pour le solaire, et ensuite on a la transmission, donc les courbes se croisent, et bien évidemment ce chiffre n'est pas rentré dans le débat, et donc on pourra discuter. Il faut prononcer presque tous. Ça veut dépêcher tous les chefs. C'est au doigt de parler. Ah bon, on reviendra sur les coûts, c'est la troisième partie. Je vais arrêter là. Je vais vous donner maintenant la parole à monsieur Senard. Donc pour parler, j'ai précisé de trois questions, on va parler d'abord de sûreté du nucléaire. Juste avant de vous donner la parole, qui est des Hauts-de-France dans la salle ? Il y a quelques locaux. On va essayer de rentrer sur cette thématique d'abord par un cas particulier, qui est la centrale de Gravine, pour le coup, que vous connaissez bien, puisque vous êtes membre de la CLI, et vous allez expliquer ce que c'est que la CLI, à quoi ça sert, et puis rentrer sur les grands enjeux de Gravine. Oui, alors le CLI, qui est sur le plan de la transmission, on est dans la pierre. Vous avez des micros ? Non, mais pas de micro, monsieur est venu. Le micro, non, mais il n'y a pas de micro. Oh, merci pour la présentation. Donc, CLI, Commission locale d'information, ça a été créé du temps de Pierre Mauroy, quand Pierre Mauroy était Premier ministre. Alors, la date précise, pour le donner pas, ce sera important. Bon, c'est quand même quelque chose qui était revendiqué, parce que vous savez comme moi que tout le nucléaire repose sur. Quelques personnes, c'était la fameuse commission Péon, hein, qui a décidé de tout sans aucun contrôle, sans aucun débat, etc. Et ça nous a été imposé. Et donc un certain nombre de militants se sont mobilisés pour obtenir un peu le droit à la parole. C'est comme ça que les CLI ont été créés, et puis bon. Une expérience qui continue avec des personnes qui sont nos interlocuteurs et qui ne sont pas les mêmes. Bon, moi j'ai connu la période de la Coste pour achever, il faut quand même reconnaître qu'on a progressé depuis quelques temps sur la surveillance à la fois des centrales et puis en même temps sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Qui n'était pas prise auparavant. Donc, alors moi, je voudrais simplement vous présenter en tant que régional de l'étape de Gravelines. Bon, parce que Gravelines, c'est quand même un cas. Hein. Gravelines, c'est 6 réacteurs, vous le savez. C'est la première centrale européenne en puissance installée. Il n'y a pas de plus grand. Et lorsqu'il y a eu Fukushima et que les Japonais ont stoppé la production, on peut dire que Gravelines était même
la première centrale nucléaire au monde en termes de puissance installée. Hein. Pour l'anecdote, parce que je crois que des anecdotes il en faut, il faut savoir qu'au départ, il y avait 4 réacteurs qui étaient prévus, et en fait, comme vous savez, il y en a 6. Bon, tout simplement parce qu'un ayatollah, qui s'appelait Roméni, a dénoncé les marchés qui avaient été dépassés par son prédécesseur, le Shah d'Iran, et qu'à un moment donné, la France s'est trouvée avec 2 réacteurs sur les bras, ne sachant quoi en faire. On est allé voir le député maire du coin, à Granville, qui a dit « Mais venez, venez, venez chez nous, mais voilà, à quoi tient la politique énergétique du pays ?» Enfin, vous avez un bon petit exemple là, des limites de la démocratie en matière. Donc la spécificité, je vais aller assez vite, fatalement, la spécificité c'est que bah, là c'est la seule centrale nucléaire qui est au bord de la mer du Nord, qui est quand même, comme vous le savez, la mer, une des mers les plus fréquentées du monde. Bon, on arrive au second rang, pardon, on détient toujours des records, vous voyez. Et bon, et c'est une mer où on trouve toutes sortes de bateaux avec les risques évidemment inhérents. D'autre part, cette centrale a été bâtie sur un polder. C'est le polder qui se poursuit, enfin, ou qui démarre en Hollande, en Belgique et qui arrive jusque chez nous. Donc, autrement dit, nous sommes au niveau de la mer, qui est quand même dans le contexte actuel avec. Le problème de la montée des eaux, hein, donc des changements climatiques, des tempêtes qui provoquent par de temps à autre des surcotes. Je rappelle qu'on est dans un goulot d'étranglement, la Manche, et que dans tous les goulots d'étranglement, quand vous amenez beaucoup d'eau, ben, ça monte encore plus qu'ailleurs. Donc ça, c'est la réalité. Bon, j'ajoute que... comment je vais dire, nous, le fait qu'on soit au bord de la mer a beaucoup d'incidence sur le fait que, bref, la rouille, donc la corrosion est un phénomène marquant, y compris dans la centrale nucléaire. Bon, de temps en temps, on a eu l'occasion d'aller faire des visites dans la centrale au titre de la CLI, bon, je peux vous assurer, pour avoir vu d'assez près un certain nombre de tuyaux, eh bien, c'était pas terrible, et d'autant plus que les tuyaux généralement les plus endommagés sont les plus inaccessibles. Hein, il y a des enchevêtrements de tuyaux, bon, ça c'est une autre réalité. Alors, risque de submersion marine, bien sûr, il faut savoir quand même que on a rehaussé, enfin, EDF a rehaussé ses digues devant la centrale, qui ont été portées en gros à 9 mètres, hein, alors qu'avant on était à 6,70 mètres, etc. Et par comparaison, pour ceux qui sont allés ou qui iront peut-être avec notre ami, voir la digue du Brec qui. Protège tout le complexe sidérurgique, la digue du Brec est à 12 mètres. La centrale nucléaire qui est à côté, ça va être moins dangereux. Les digues, c'est 9 mètres seulement. Ah, voilà. Au problème donc, de submersion marine qui peut fort bien arriver, hein, il suffirait effectivement que la mer remonte encore simplement d'un mètre pour qu'on puisse avoir des problèmes importants. Pour faire dans d'autres sphères, le Blayais, Xintia, etc. Nous avons aussi un problème, effectivement, de submersion qui pourrait venir du continent. C'est-à-dire que la centrale de Gravelines se situe au bord d'une petite rivière connue de tous les crucivergistes, voilà. Et par conséquent, c'est un problème que... D'aucuns pensent peut-être à la limite plus prégnant encore que l'hypothèse de la submersion marine. Bon, tout simplement parce qu'on est dans le plat pays, l'eau s'écoule lentement, il y a un exutoire des eaux continentales qui peuvent venir des collines de l'Artois, enfin, etc., sur Dunkerque,
et vous avez là, il n'y a pas d'autres exutoires dans le secteur. Donc, monter des eaux qui pourraient aboutir à, évidemment, à l'isolement complet d'un centrale nucléaire si les eaux s'imaginaient de déborder. Donc, vous avez dit que gros problème corrosion, bien sûr, hein, avec cette présence en bord de mer. Autre problème qui est important pour nous, c'est que la centrale nucléaire se trouve au cœur d'une région très industrialisée. Nous comptons actuellement, on ne sait plus jamais le chiffre, parce que ça bouge tout le temps, mais au minimum 15 sites, c'est les autres, hein, dont par exemple Aluminium Dunkerque, qui a été repris par Rio Tinto. Oui, enfin, d'un jour, pas d'un jour avant, ça ne va pas chipoter. Hein. Enfin, voilà. Vous avez Versalis, qui est une, comment je vais dire, une entreprise qui produit polyéthylène, qui est un produit dangereux. Et d'autre part, EDF a créé une autre entreprise qui s'appelle le terminal bétanier, qui se trouve c'est une des rares centrales nucléaires au monde, auprès duquel on a bâti un terminal des années, hein, avec notamment des fonds d'EDF. On vous signale que EDF, comme ça ne marche pas fort, EDF est en train d'essayer de vendre ce terminal des années. Le coût au départ, 1,8 milliard, là, voilà. On nous promettait un méthanier et demi par semaine. Depuis le début de l'année, on est à 6 méthaniers qui sont arrivés. Donc c'est pour vous dire que c'est une opération qui doit participer au déficit chronique d'EDF pour le moment. Or, autre problème, là je vais insister parce que c'est une réalité simplement, il y a une forte densité de population, hein, le Nord palais peuplé, il y a 400 000 habitants dans les 20 km autour de la centrale nucléaire de Gravelines. Hein, vous avez Dunkerque, Calais, Saint-Omer, et puis il y a beaucoup de banlieues un peu partout. Pour la zone agricole, évidemment, est un peu moins peuplée, mais c'est quand même important. Alors si on va à 80 km, là, on dépasse les 2 millions. Hein, les 2 millions d'habitants, on sait que... C'est des chiens, oui, quand même, pas dangereux. Hein. Bon, en fait, c'est une population assez chloroformée. C'est un tracé des choses, tous les exercices qui ont été mis sur pied par EDF en collaboration avec l'autorité de sûreté nucléaire ont été suivis par des effectifs tellement maigrichons qu'on n'en parle pas, on n'a pas pu tirer de conclusion. Alors, un problème alors là, très important en termes de sûreté, c'est que sur les 6 réacteurs de Gravelines, 5 sont moxés. C'est la plus forte concentration de MOX que l'on trouve, comment je vais dire, sur le terrain des centrales nucléaires en France. Et peut-être, je n'ai pas de comparaison avec les autres pays, mais enfin, on est un peu les spécialistes du MOX. Alors ceux qui... Pourquoi le MOX est particulier. Le MOX, alors je ne sais plus quelle est la proportion. La proportion de plutonium et de radioactivité, c'est un mariage entre l'uranium enrichi et le plutonium. On sait qu'on déborde de plutonium, on ne sait pas quoi en faire. Et puis, EDF aurait imaginé que c'est bon, effectivement, ça pouvait être une façon de recycler ce matériau qui a surtout une vocation militaire, comme vous le savez. Et donc, on utilise des assemblages de MOX qui, ont la particularité quand même lorsque, d'abord, ils créent en cas de problème, si vous avez un problème type Fukushima, vous avez, un résiduel thermique extrêmement important, hein, 4 à 5 fois plus que ce que pourrait donner des réacteurs marchant uniquement l'uranium enrichi, que d'autre part, c'est un facteur pénalisant parce que la radioactivité est beaucoup plus importante.
un assemblage de NOx reste trois fois plus longtemps en piscine qu'etc. Donc, Fukushima, c'était NOx. Et dans la priorisation des centres de réacteurs à fermer, c'est ceux qui sont cités en. Nous, on est tout à fait d'accord. Nous, voilà. 5 sur 6, la raison. C'est à cause alors, de le 5ème, je ne pas à cause de la langue. C'est le numéro 5. Non, on n'a jamais su pourquoi exactement. C'est-à-dire on a tu ne cherches pas du côté de la langue. Je cherche de la langue, je le trouve quand je veux, mais il ne m'a jamais signalé la raison. D'ailleurs, à mon avis, c'est un peu aberrant parce que, comme les réacteurs sont guidés deux par deux, je ne vois pas comment ils peuvent piloter d'un côté un réacteur à UOX et puis de l'autre côté un réacteur à plutonium. Et les différents enjeux, alors lesquels sont spécifiques à Gravelines et lesquels sont généralisables sur les différentes centrales? Ça existait un certain nombre de enjeux. Polder, c'est pas le cas des centrales. Non. C'est des eaux. Ouais. Une densité autour de autant de 6 et des eaux, on discutait avec le Michel Yahoo, car pas autant que ça. On n'a pas autant, on n'en a nulle part, le Golfèche. Densité de population, là, je ne sais pas s'il y a des chiffres de population, je crois qu'on a aussi le Donesbon. Donc après. Donc on est d'accord que dans le chiffre qui est sorti dans la presse là, sur les 17 réacteurs qu'il fallait fermer, que Hugo en discuter a sorti, pour l'instant il a juste sorti ça à la radio, on n'a aucune garantie que ce sera discuté. Vous estimez que les vôtres sont. Les nôtres sont obsolètes, bien sûr, dans la mesure où le premier réacteur qui a été construit après les semaines, c'est Gravelines. Novembre. Et donc il y a eu toute la chaîne après. Donc on fait partie, le premier réacteur, après j'ai 40 ans. Hein. Moi j'ai encore des papiers où on me disait au départ que après réacteur c'était 20 ans, même je crois qu'on a même dit au départ c'était 15 ans. Donc on en est quand même dans les deux à 20 ans. Hein. Donc c'est peut-être la dernière mandature, vous allez voir ça si vous mobilisez. Quel est d'autres Comment je veux dire, je vais prendre. Quand vous parlez des hommes, des élus, comment ils se comportent, mais vous savez que c'est pas terrible. Voilà, donc il y a eu quand même des incidents marquants, on n'a jamais eu Fukushima, grâce au ciel. Mais par exemple, parmi les incidents marquants, on a eu dernièrement avec une pénétration de fonte cuve. Vous savez, les cuves de réacteurs, tout le monde croit que c'est de l'acier, c'est complètement fermé, mais pas du tout. Il y a des tas de pénétrations dedans pour prendre la température, etc. C'est un peu une bruyère. Enfin, il y a quand même 50 pénétrations de fonte cuve par cuve de réacteur, c'est quand même beaucoup. Et il y en a une qui était fouillarde. Également qui ne s'était jamais produit encore, sauf aux États-Unis. Et puis ça a immobilisé le réacteur numéro 1 pendant très longtemps. Voilà, donc une perte sèche pour. Donc ils ont dû mettre au point des robots parce qu'il était hors de question d'intervenir à la main-d'œuvre, les nomades du nucléaire, les surexploités, on ne les a pas envoyés parce que c'était vraiment pas possible. Donc ça a été très long. Alors ils ont fait une réparation, des soudures avec des robots. Tout le monde fait une prière le matin pour que ça tienne. Donc là c'est tout. Et puis tu as eu une grappe coincée aussi quand même. Oui, on a eu effectivement. On fait des assemblages de. On va peut-être pas lisser tous les. On va avoir du mal. Je vois que ça arrête. Non, mais si, à moins que vous souhaitiez rajouter un point. J'ai tellement de choses à rajouter. Alors, si vous avez terminé, je vous propose qu'on je vais donner vite fait la parole à Guillaume Lavette, donc de Réseau de Sortir des Clairs, qui nous parle. On avait pensé que c'était important de voilà, le PR va arriver. On a dit 58 tout à l'heure, c'est 59 bientôt. D'avoir un petit mot. Ah non, tu crois encore qu'on va l'arrêter? Ah oui, on n'en fait rien. Oui, c'est vrai. Donc ça reste
un mot pour vous dire que, en dépit de, je crois bien, l'outil, un certain nombre d'élus du secteur ont lancé une pétition, dont le maire de Gravelines, évidemment, pour obtenir un EPR à Gravelines. Donc, voilà, pourquoi pas. L'espoir est encore permis, d'accord. Il a quel pourcentage ? Pardon ? Il a droit à quel pourcentage ? Quel pourcentage pour toi ? Ah, le premier touche sur le... Non, non, mais si allez vous promener à Gravelines, allez vous promener à Berne. Vous avez deux cités qui ont été défendues par vos bancs. Il y a des remparts encore qui s'ouvrent des deux côtés. À Gravelines, il n'y a pas un bouton de guêtre qui manque. Vous pouvez y aller, c'est du tout neuf. On a l'impression que vos bancs est passé la veille. Vous allez à Gravelines, à Berne, vous verrez, là, c'est une petite collectivité qui n'a pas le soutien. Je rappelle, Gravelines a une équipe de 12 000 habitants, a une équipe de BCM qui joue le basket au niveau 1 beaucoup de joueurs américains. On peut annoncer que la future équipe de Bure en basket va être dans le top niveau merci beaucoup. Je vais faire le méchant pendant cette session et donc obligé de couper les uns et les autres. Alors un petit mot rapide sur ce que vient de dire Jean sur Gravelines. Comment l'élargir sur la problématique française et puis surtout sur le PR en 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Bon, d'abord merci Europe Écologie, le réseau. On est une fédération de 900 associations. Je sais combien de membres si on les compte, mais bon, merci Europe Écologie nous permet de nous exprimer à l'occasion de ce genre d'été. Premier mot de convivialité. Ensuite. Ah non, ça t'a fait. Merci, vas-y. En tant qu'ancien membre de la commission énergie, de l'Europe Écologie. Mais bon, toujours. Que, oui, voilà. La France est hyper nucléarisée. Depuis très longtemps, l'État a pris conscience que les centrales étaient dans un état plus que préoccupant. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé une super idée. Dès les années 90, c'est renouveler le parc nucléaire. Alors, ils auraient pu faire des énergies renouvelables, faire la promotion de la maîtrise de l'énergie, mais ça, c'est des solutions d'écolo, c'est pas très convaincant. Alors, ils se sont dit, on va renouveler le parc nucléaire. Et donc, l'État français, ses opérateurs industriels, à l'époque, se sont entendus avec une autre puissance qui, depuis, a retrouvé la raison, l'Allemagne, pour concevoir le réacteur nucléaire, mais le plus top bien qu'on puisse imaginer, l'EPR. L'European Preserved Reactor. Puisque ce réacteur que personne ne sait vraiment construire, qu'on soit en Chine, en Finlande ou en France, c'est un mélange d'une technologie allemande conçue par Siemens, donc cette entreprise renonce au nucléaire, et bien sûr, notre géant favori, Areva. Hein ? Mais donc, ils ont pondu un réacteur dès la fin dès le début des années 90. Heureusement, Corinne Lepage, puis Dominique ont réussi à bloquer cela. Mais une fois que l'alternance est venue au début des années 2000, il a fallu passer à l'acte. Il a fallu passer à l'acte alors que chacun savait dans le milieu que l'industrie française n'avait pas les capacités technologiques de fabriquer une telle machine compte tenu de sa complexité et de la taille des équipements qu'elle nécessite. Et ils se sont lancés un peu à l'aveugle dans un chantier en Finlande d'abord, hein, autant filer les nerfs aux voisins, hein, c'est l'esprit européen de la France, et dans ma chère Normandie, hein, tout près de chez mon ami André, hein, ils ont trouvé une mine de fer, donc ils se sont dit on va mettre un réacteur dessus, et ça remonte à il y a quasiment plus d'une décennie. Puisque l'EPR, c'est l'histoire d'un fiasco. Alors on avait connu le plan calcul, on avait connu le Concorde, on avait connu les TO-9 de Thomson, les plus anciens se souviennent peut-être de ces gros trucs nuls qui n'ont jamais fonctionné, et la France s'est engagée là-dedans, et depuis 10 ans, ils essaient, tant bien que mal, de construire un réacteur qui devait coûter... À l'époque, quand Dominique était au ministère, je crois que c'était moins de 2 milliards. Au final, combien ? 10, 12, je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas, honnêtement. Mais surtout, en termes de délai, on arrive trop tard. Puisque, il est souvent... Quand là, maintenant, il devrait être
planète Libar, je sais que la date elle est. Alors, excuse-nous, on a licencié le 2/20 au réseau de sortir du nucléaire. Donc, la date à laquelle l'EPR fonctionnera et sera en phase industrielle, personne ne peut le dire. Ce qu'on peut savoir aujourd'hui de manière objective, c'est qu'ils sont en phase DCA3. Ils mettent de l'eau dans les tuyaux, ils regardent comment ça fuit. Je ne suis pas de ceux qui disent que ça ne fuit pas. Ensuite, ils passeront en phase DCHO courant 2018. Et si jamais l'autorité de contrôle valide ces CHO, je pense que raisonnablement, nous pourrons espérer en 2020 avoir du kilowattheure qui viendrait des rares phases où le PR ne tombera pas en panne. Puisque on est bien dans cette configuration. Et le calendrier, c'est quand? C'est le calendrier. Alors là, ils ont annoncé qu'il allait démarrer bientôt. Mais il faut savoir qu'avec de telles machines, de telles complexités, il y a des enjeux économiques à appuyer sur le bouton démarrage. Et le problème, c'est qu'en salle de conduite, ils se rendent compte qu'il faut arrêter rapidement. On a un précédent en France. C'est ça le plus dramatique. C'est que dans le nucléaire, notre pays n'a rien appris. Ce précédent, c'est Superphénix. Il a fallu le démarrer coûte que coûte, chacun sachant à l'époque, et notamment l'actuel président de l'autorité de sûreté nucléaire, Kirschon, quand vous chevez, tout le monde savait que ça n'allait pas fonctionner, mais il fallait le faire démarrer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même parmi les experts officiels, même parmi ceux que certains qualifient de nucléocrates ou de nucléaristes, savent que cette machine ne pourra pas fonctionner. Et déjà, l'État a fait machine arrière. Lors du débat public sur l'EPR de Flamanville, il était annoncé que le réacteur serait moxé, pour reprendre une expression qu'évoquait Jean. C'est-à-dire que c'était un des réacteurs prévus pour éponger ces tonnes de plutonium créées à la hague, dont on ne sait que faire. Et dès les années 2009, l'État disait « non, on ne peut pas le moxer ». Et c'est là qu'on en arrive dans notre actualité. Puisque aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire, un peu la mort dans l'âme, a mis en consultation un document visant à valider la fameuse tube qui légitime et qui explique la mobilisation que le CanOuest organise le 30 septembre 2017 à Saint-Lô. L'autorité de sûreté nucléaire dit finalement c'est pas si grave. Mais si, c'est très grave. C'est très grave puisque on savait dès le lancement du projet que ça n'allait pas marcher. Et aujourd'hui, on se retrouve face à la réalité, alors que la Commission européenne a conditionné les aides apportées par l'État à l'industrie nucléaire à la validation de cette tube. Donc on est face à l'absurdité politique, financière et technologique du nucléaire. Et c'est très important de marquer un coup d'arrêt, d'autant plus qu'on ne sait pas, Michel pourra vous en parler, que faire de ce qui sort de ces centrales, les déchets. Et on ne sait pas, je vous invite tous à lire le rapport de Mme Brondagnon, on ne sait pas les démanteler. C'est encore un autre énorme problème. Je ne développerai pas là-dessus, mais je finis. Voilà. On est face à une situation, c'est Julien Bayou qui disait il y a quelques mois, le royaume. Toute l'absurdité de l'industrie nucléaire apparaît. Ce qui manque, c'est cette impulsion définitive qui amène le pouvoir à engager cette transition énergétique. Les 17 réacteurs, c'est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, c'est des gens sérieux qui ont dit que c'était possible maintenant. Lorsqu'on travaillait avec Delphine Bateau, avec Denis Baupin, la DGEC nous le disait. Et aujourd'hui, on a enfin un ministre de l'Environnement qui dit « c'est possible ». Alors ça a été enterré par Ségolène Royal. Et je pense que aujourd'hui, la première bataille à gagner, c'est que de dire « le verre, c'est fini ». L'arrêt dans les limites de la loi, qui a été un combat quand même très rude de tous ces réacteurs, pour une vraie décision politique de sortie du nucléaire, ce qui est au cœur de la charte du réseau sortir du nucléaire. L'association qu'on représente aujourd'hui avec Laura, c'est possible, mais on a besoin d'être plus nombreux. L'an dernier, à Flamanville, nous n'étions que 5000. Le 30 octobre et dans les mois qui viennent, il est nécessaire qu'on soit très nombreux parce que c'est possible. Et la sortie du nucléaire, on a les alternatives, c'est réduire nos consommations,
le développement des renouvelables, les projets offshore, notamment sur mon littoral à Dunkerque, hein, chez moi, Tréport, Fécamp, Courseul, les énergies marines renouvelables, tout est disponible. Ce qu'il faut, ce sont des mobilisations militantes et que les gens s'engagent à nouveau dans cette lutte énergétique qui est aux confluences de toutes les problématiques politiques, financières et technologiques. Merci. Merci. Et d'ailleurs, on va mettre à la fin les différentes manifestations pour ceux que ça intéresse, qui sont dans les parages. C'était la première partie, on vient de parler de sûreté nucléaire. Gardez vos questions, et je vous rappelle, je prioriserai les questions des femmes. C'est comme ça, c'est injuste. Et on va rentrer dans la deuxième partie, qui est les déchets. Vous avez une présentation, peut-être démarrer sur le cycle nucléaire, parce que c'est quand même assez compliqué à expliquer. C'est pas un site. Voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est et rentrer sur la HAC proprement parce que vous êtes membre. Merci d'expliquer ensemble ce que c'est que la CLI. Qui sait ce que c'est que le CLI ? J'ai été lancé par mon roi et puis il y a eu des décrets sur la transparence dans le nucléaire. J'avais bossé, donc je fais partie du CLI. On a quand même une histoire de qualité. Le CLI nucléaire, un zoom sur la HAC et après on passera, proprement dit, sur le sujet d'actualité qui a été cet été sur le CIGEO et la HAC. Bien. Alors je vais essayer de tenir dans les 30 minutes. 10 minutes, si c'est possible. On va essayer de déborder, mais quoi, si on déborde, c'est sur les questions de la salle. Voilà, donc là, l'idée, c'est que de vous donner un visu, ce qui a un petit côté didactique, dès le début, vous verrez, un visu de ce que c'est que les problèmes, effectivement, des déchets nucléaires dans le Cotentin, parce qu'en fait, c'est tout le Cotentin. Mais d'abord, je voulais remercier, effectivement, l'Europe de Vébert de nous avoir invités. Donc, de la part de Didier Angers, je salue la salle, parce que Didier Angers, c'est le président du CLIMAN. Vous avez tous entendu parler du CLIMAN tout un petit peu les uns ou les autres. C'est une association du Cotentin, mais évidemment, et qui travaille dans le cadre du CADO, dans le cadre d'un collectif antinucléaire Ouest. C'est important aussi de le dire, dans une action militante. Donc, je ne développe pas le CADO, mais invite, durant cette manifestation, du 30 septembre, donc contre le PR. Donc cette dimension militante que tu viens de dire, ta conclusion, est vraiment importante aujourd'hui face aux enjeux du nucléaire, que ce soit l'EPR ou les déchets. Voilà, donc vous avez quand même sur cette diapo une illustration quand même de ce qu'il y a dans le Cotentin. Vous avez la Hague, qui est un site de retraitement, donc de recyclage, on peut le dire, retraitement extraction du plutonium. Donc là, vous avez des déchets nucléaires dans des centrales qui arrivent et que l'on retraite, on en extrait essentiellement le plutonium. Vous avez le centre de stockage de l'Andra, qui est un site de déchets nucléaires moyenne activité et faible activité, qui est fermé aujourd'hui. Mais non, moi, j'ai voulu vous donner une image de ce que c'était quand on y stockait des déchets. On y reviendra. Vous avez aussi une activité militaire sur Cherbourg, avec la déconstruction des sous-marins nucléaires, et en particulier l'isolement des cœurs de réacteurs nucléaires. Et donc, dans la ville de Cherbourg même, on trouve effectivement des cœurs de réacteurs nucléaires qui sont en période effectivement de refroidissement, toujours après leur déconstruction. Vous avez à Valogne un site où arrivent les trains, dans des centrales nucléaires de la France, des trains chargés de déchets français et étrangers, bien évidemment aussi, je dirais sur quelques contrats étrangers. Et donc, il y a en gros un convoi par jour entre Valogne et Cherbourg pour emmener des déchets dans les fameuses piscines que vous voyez en haut. Et enfin, pour compléter le tout, donc il y a deux réacteurs de 1300 MW non moxables sur le Cotentin, donc à Flamanville. Et il y a le fameux réacteur EPR dont on vient de parler à l'instant. Donc je ne vais pas parler de EPR autrement aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Donc les déchets nucléaires, sachant que, personnellement que moi, je fais partie de la CLI Andra, nous avons dans la salle
Caroline, qui fait partie de la CLI, des CLI, du Nord-Cotentin, dans mon plan d'envie, et avec qui j'ai voyagé, notamment à Fukushima, au printemps dernier, et nous avons vu effectivement ce nombre de choses là-bas, qui sont, ben, en tout cas, qui hérissent, en tout cas, en ce qui me concerne. J'ai vu là-bas quelque chose qui ressemble à la fin du monde, donc c'est vrai quelque part, je peux aussi en parler, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Voilà, donc les enjeux de nucléaire, des déchets nucléaires dans le Cotentin. La Hague, elle se situe dans le cycle du combustible, bien évidemment, entrée et sortie. Donc on va parler des types de déchets. L'exemple du centre de stockage de la Manche à la Hague qui se termine. L'usine Areva, qu'est-ce qui s'y passe? Les enjeux, et puis la discussion que nous propose Didier Angers. Alors le cycle du combustible, comme ça, on peut y revenir, ou vous pourrez y aller sur Internet si vous souhaitez. Effectivement, on a un moment important, c'est le stockage, le retraitement et le stockage ultime des déchets. C'est vraiment le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Hein, c'est ben, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets-là, sachant que dans toute la phase amont, eh ben, il y a toutes les activités d'Areva que vous connaissez, les mines et les usines d'enrichissement. Alors, trois types de déchets nucléaires sont aujourd'hui à repérer. Les déchets de haute activité Vilong, donc ça, c'est ce qui est prévu, pour l'illustrer, dans le cadre de BU, hein, haute activité Vilong, c'est-à-dire les déchets les plus radioactifs. Et là, pour ça, on n'a pas de solution effective au stockage des déchets aujourd'hui. Là, on a construit des avions, mais il n'y a pas de crise d'atterrissage. Hein, on est vraiment dans cette situation-là aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ces déchets haute activité vie longue, je vais vous dire qu'est-ce qu'on en fait à la Hague. Il y a aussi la saturation des sites de stockage des déchets faibles et moyenne activité, donc l'ordre à la Hague est fermé, parce qu'il est plein. Il y a Soulaine aussi qui en est activité, mais on cherche maintenant, on va chercher des lieux pour créer des stockages de déchets qui sortent des centrales, et puis aussi pour d'autres. Pourquoi ? Parce que ça n'arrête pas d'en produire. Et puis, on n'a pas de site aujourd'hui autre que temporaire par rapport aux déchets issus de démantèlement des centrales ou des installations nucléaires. On peut qu'on en souhaite effectivement trouver des solutions cohérentes. Regardez les petites lignes en bas. Il y a une tentative aujourd'hui de réintégration de déchets dits de faible activité dans les aciers et les bétons. Ça, ça fait partie des souhaits d'un petit peu du lobby. Hein, peut-être derrière, c'est tout un lobby du nucléaire, mais derrière, il y a du BTP, il y a tout ça. Hein. Et donc, ne pas oublier aussi nos amis bretons, hein, qui eux sont face à des mines d'uranium à l'air libre. Hein, on trouve ça aussi dans le massif central. Donc, trois types de déchets, vous retenez essentiellement ça dans notre discussion de cet après-midi. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc, le centre de stockage de la Manche est plein, il est fermé, voyez-vous dessus, on a une belle pelouse. Mais cette pelouse, donc du coup, le centre est entré en phase d'observation. Parce qu'effectivement, il n'est plus en activité. On y trouve quand même dessous 572 000 mètres cubes de déchets, je crois que c'est plus d'un million de colis, mais il y a aussi 100 kg de plutonium qui sont entrés par erreur dans ce centre de stockage. Les personnes les plus avisées sur le sujet de la Hague pensent qu'il aurait fallu reprendre un certain nombre de colis pour les reconditionner de façon à s'assurer effectivement dans le temps de leur bonne conservation. Les choix ont été faits de ne pas y toucher. Donc là aussi, si vous pourrez trouver des argumentaires là-dessus sur Internet si vous le souhaitez, en fonction de votre curiosité. Alors, on y trouve du tritium dessous. Hein, et grâce, enfin, je dirais grâce, oui, parce qu'à nos amis de la Pro, hein, et à la plaque que Greenpeace a posée courageusement, même si elle a été classée, on a effectivement une fuite de tritium dans la rivière du Grand Bel. Et c'est vrai que. Même si là, on a pris nos copains d'impro pour des rigolos par rapport avec le recul quand ils les ont amenés en pleine séance de la CLI, il a bien fallu, comme quelques temps après, en reprenant les chiffres apportés par la CRO, considérer qu'ils étaient effectivement des chiffres valides. Donc, à partir de là, effectivement, l'ANDRA a accepté de réexaminer les choses. Mais comme l'ASN vole toujours au secours des exploitants, eh bien, aujourd'hui, la réponse est de dire qu'on est dans les limites acceptables concernant la radioactivité de l'eau qui s'écoule dans la nature de la race. Bien. L'usine Areva, j'essaie de faire vite. Hein. L'usine Areva, c'est énorme, l'usine Areva. Je n'ai pas mis de photos là, parce que je. Mais bon,
Mais il y a deux usines de retraitement et d'extraction du plutonium. Vous savez, comme c'était dit tout à l'heure, que c'était pour faire du plutonium pour la bombe atomique. Donc ce n'est pas le sujet. Mais par contre, là-dessus, vous trouverez une histoire très abondante depuis 1967 autour du site de La Hague. Donc, effectivement, il y a eu des contrats étrangers en 1980, au début de l'élection de François Mitterrand. Ça a fait grincer chez nous dans la Manche, dans La Hague, parce qu'effectivement, nous ne voulions pas de cette usine, de l'extension des usines de retraitement. J'étais élu socialiste en 1982, j'étais le seul dans la communauté urbaine de Cherbourg à voter contre les procédures d'accompagnement, parce que vous savez, il y a toujours des procédures d'accompagnement, donc du grand chantier de La Hague. C'est dire que, comme vous semblez le dire tout à l'heure, monsieur, qu'effectivement, les élus effectivement, sont conquis d'avance par la manne financière qui ne manque pas d'arriver. Si un jour vous prenez dans La Hague, il n'y a pas de plus beaux abribus en pierre de taille que dans La Hague. Vous trouverez dans chaque étage, vous verrez dans La Hague, on trouve dans La Hague la même situation qu'à Fukushima, c'est-à-dire un arrosage à l'avant, un arrosage des collectivités locales. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'on va devenir pour les fusions de communes? Bon, ça c'est ouais, mais ceux de Soulaine et de Bure sont très bien aussi. Hein. Bon, il y a sur La Hague une usine en cours de démantèlement, une usine de retraitement. C'est une usine 400, un peu comme je crois il y a un Marcoul en déconstruction. Ça, c'est un sacré bazar. Parce que moi, je connais des gens qui bossent, ils cherchent les plans. Hein. Donc, c'est pour dire qu'on est dans aussi quelque chose aujourd'hui par rapport aux déchets qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les plans dans cet endroit. Mais c'est très radioactif. C'est qu'il s'agit derrière de fermer avec du béton et d'éteindre la lumière, on s'en va. Parce que c'est ça qui va se passer. Mais quand on s'en va dans les bonnes conditions, c'est bien. Mais quand on n'a pas les bonnes conditions pour le faire, c'est plus embêtant. Il y a, donc, sur La Hague, dans la fameuse piscine que vous avez vue tout à l'heure, hein, c'était bleu en haut là, 9700 tonnes de combustible qui sont usées, donc qui viennent des centrales, qui sont en attente, dans des piscines de refroidissement. En gros, ça correspond à 108 cœurs de réacteurs nucléaires. Et là-dessus, il y a un impératif, là, je ne suis pas scientifique, hein, mais peut-être qu'on pourra m'apporter des compléments. Il ne s'agit pas que ça chauffe là-dedans. Hein. Il ne s'agit surtout pas que ça chauffe, parce qu'on n'ose pas imaginer ce que ça pourrait produire. Le résultat. Donc là-dessus, il y a un impératif de fonctionnement. Il y a également à La Hague 64 kg de plutonium, mais c'est là que je vais m'arrêter pour vous passer une petite vidéo de nos amis de Greenpeace. Hein? Tonnes. Oui, 64 tonnes de plutonium. Ouais. Déjà, kilo, c'est un kilo. Ouais. 0,001 gramme. Alors là, on fait un petit clin d'œil à la sûreté. Qui est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce sujet-là de Greenpeace est vraiment dans le sujet de la Hague. Sans augmenter la production de gaz à effet de serre, le nucléaire apparaît comme l'une des solutions clés. En récupérant les matières valorisables contenues dans les combustibles nucléaires usés, le traitement permet d'économiser les ressources énergétiques tout en diminuant la toxicité et le volume des déchets ultimes. Lieu de haute maîtrise technologique mondiale, l'établissement Areva de La Hague est apparu au fil du temps comme étant un acteur majeur et indispensable. C'est pas ça. Je précise que c'est bien qui m'a envoyé. C'est beaucoup La Hague. Vous pouvez taper beaucoup La Hague sur votre téléphone mobile et trouver la vidéo. Le problème, c'est qu'on n'a pas internet. Voilà. Va pouvoir. C'est beaucoup La Hague. On repart. Donc, ce qu'ils ont fait avec Greenpeace, c'est qu'ils ont pris un drone, et ils ont fait quelque chose qui est interdit. Ils sont allés sur La Hague, ils ont pris un drone, et ils ont repéré les endroits où ils sont stockés effectivement les piscines, les déchets nucléaires dans les piscines, les endroits où ils sont stockés le plutonium, et puis ils ont dit, ben, avec une petite pêche, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Donc c'est vrai que ça met en lumière le danger par la vulnérabilité de La Hague par rapport au risque de chute d'un avion en particulier, sachant que les piscines ne seront couvertes que par des tours. C'est Greenpeace qui a envoyé un drone. Oui, c'est ça. Ils sont passés aussi en ULM. Oui. Enfin, c'est pas si compliqué. Donc, il y a stocké à La Hague également, actuellement, 16 000 flux de déchets vitrifiés. 16 000 flux, c'est-à-dire qu'ils ont créé, ce qui n'était pas prévu à l'avance, donc des alvéoles pour pouvoir stocker et les ventiler en permanence
cette fameuse fuite de déchets plastiques dont la France visiblement a la compétence par rapport au Japon, elle est sûrement plus en avance. Et donc ils sont entreposés, pour ne pas dire stockés, en gros 70 ans à La Hague, dans l'attente d'une solution comme du, par exemple, pour évoquer le schéma envisagé. Et aujourd'hui, ils ont demandé le doublement des capacités à La Hague. Donc ça veut dire que sur La Hague, on s'oriente vers le retraitement et le stockage. Donc là, on parle bien de et c'est vrai que les choses se font comme ça, en douceur. Et la Areva n'a plus beaucoup de lieux pour construire. À part, et c'est vrai qu'à La Hague, ils exploitent le maximum du terrain qu'ils possèdent. Voilà. Il y a également à La Hague une usine, dans les deux usines de La Hague, qui est usée. Il y a des problèmes d'évaporateurs de vapeur. Donc je vous donne ici une photo d'un évaporateur de vapeur. Donc pour les déchets d'activité vilon que l'on va ensuite mettre en frites, donc en des frites de verre, et ensuite ces frites de verre, on les met dans les fûts métalliques qui sont ici, et donc l'entreposage se fera effectivement dans les nouveaux entreposages se feront dans la zone orange, sachant que les entreposages actuels ce sont ceux de la zone bleue. Donc ces évaporateurs sont très dangereux, on en parlait tout à l'heure en prenant c'est pas méthode, on a parlé de ça, des évaporateurs de La Hague sont devenus très dangereux parce qu'effectivement, dedans, ce sont des matières hautement radioactives. Donc, il n'est pas question de prendre des risques avec ça. Et pourtant, l'ASN, visiblement, aurait donné un certain délai que nous, on peut quand même considérer de assez laxiste. Car derrière, c'est une chaîne de traitement. Hein, et s'il y avait une excursion, effectivement, de matières radioactives dans l'air, qu'est-ce qui se passerait? Une minute. Oui, oui, je vais. Donc la friteuse de verre, là aussi. Et puis les émissions à l'extérieur de l'usine, car effectivement, l'usine de La Hague rejette dans l'eau de mer, effectivement, des déchets chimiques et radioactifs. Hein, sans oublier, on va parler des déchets radioactifs, le silo 130. Là aussi, vous allez voir sur Internet, c'est quoi le silo 130? C'est un silo qui est exploité depuis les années 70, qui a été inondé parce qu'effectivement, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas la place de résoudre le problème d'incendie. Et aujourd'hui, l'ASN met en demeure Areva de faire des travaux depuis au moins 2 ans et rien ne se passe. C'est très grave la situation du silo 130. D'autant plus qu'on a observé aussi des émissions d'eau radioactive sous le silo 130 qui va à l'extérieur. Ça, c'est la troupe qui nous l'a dit. Donc voilà, les enjeux donc des déchets sont des enjeux de sûreté, des enjeux stratégiques par rapport effectivement à la politique de l'État, donc de l'État, avec le plutonium, le MOX, le nucléaire militaire. Donc on est bien dans quelque chose d'important. Et sachant aussi qu'il y a lieu de trouver pour nous, alors là j'aborde le point de vue clivant, l'alternative au retraitement, c'est-à-dire le stockage direct des combustibles usés, mais aussi l'immobilisation du plutonium. Ça, l'immobilisation du plutonium, c'est un sujet que peut-être vous pourrez revoir après, car il s'agit de neutraliser quelque part le plutonium qui est produit en le mélangeant avec des déchets radioactifs de façon à ce qu'il ne soit pas possible de réutiliser. Voilà, et deux questions quand même pour conclure, parce que ça, c'était pour y revenir, c'est qu'en principe, la convention OSPAR nous interdit de rejeter des déchets dans la mer, notamment de l'eau. À Fukushima, nous avons vu avec Caroline qu'on interdit à l'exploitant TEPCO de rejeter dans la mer effectivement, de l'eau radioactive qu'il conserve dans des... Ça a changé. Mais disons qu'en principe, on n'a pas le droit de le faire. Et ici, vous avez une carte où, avec le tritium qui est rejeté dans la Hague, par La Hague, et vous voyez au travers de cette carte que eh bien, ça arrose pas mal sur d'autres. Ça remonte jusque chez vous. C'est un surcharge chez nous. Je crois que la subtilité, c'est l'interdiction, c'est qu'on n'a pas le droit de jeter des barils, on a le droit de mettre un tuyau dans la mer et jeter bien tout. Voilà. Dans la discussion, je reviendrai peut-être. Merci beaucoup. Merci. On est trop panel, maintenant on va rentrer sur le dossier chaud du moment et de la mandature et de cet été. On a vu qu'on était contre le stockage de surface, on va voir qu'on est contre le stockage en profondeur, on faudrait juste savoir à un moment donné où est-ce qu'on va les stocker quand même. Il y a des espaces, je ne sais pas, il y a des possibilités, je vous montre la tête de réfléchir avec vous.
Mais voilà, on va rentrer sur le cas particulier de Burns. Il y a une presse, Michel, tu es le trublion, on m'a dit que ça va être très compliqué à être cadré, tu vois, 15 minutes, c'est possible. Tu vas être surpris. Déjà, il a été super sage. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé. Mais le sujet est chaud, donc je crois que je lui cherche. Ouais, juste pour répondre sur cette question de qu'est-ce qu'on va faire des déchets, déjà j'ai l'impression que c'est pas forcément à nous, anti-nucléaires, d'y répondre, en tout cas pas dans un premier temps, et que peut-être avant il faudrait arrêter les centrales. J'ai une copine qui fait très souvent une comparaison qui est vraie, quand une baignoire déborde, on ferme le robinet avant d'éponger, bah là c'est pareil. Tu peux mener les deux sujets en même temps, tu peux dire on arrête et non, c'est la question. Parce que dans un contexte où le débat sera complètement faussé parce qu'il y a des intérêts économiques énormes en jeu, c'est complètement illusoire de pouvoir espérer mener un débat réellement serein et démocratique sur l'avenir des déchets. Surtout que normalement, ça devrait vraiment être un débat de société, enfin, ça engage des générations sur des milliers d'années. Du coup, Et on revient à ce sujet, c'était un des thématiques qu'on ne pourra pas aborder, c'était la démocratie, je pense que c'est un des gros enjeux du CAIR. On reviendra peut-être en même temps sur des propositions. Qui vous semble essentiel sur les questions nucléaires, est-ce que ça passe par un référendum, est-ce que ça passe au niveau national, est-ce que ça passe au niveau local, si oui, quelle question, à quelle date, est-ce qu'on doit sortir immédiatement, etc. Bon, bien. Je vais passer la parole à Michel parce que je vais prendre sur son ton et après il sera justifié de parler. D'abord, il faut corriger, c'est pas 68, c'est 71 ans. Oui, mais c'était en 2012. Oui, mais l'article 2012, la même charge. Bon, alors, la surprise, c'est que je ne vais pas faire ma présentation. Il y a un truc là. Je vais vous donner la parole, c'est plutôt plus intéressant. L'autre surprise, c'est que je ne vais pas faire comme les autres camarades, remercier Europe Écologie, etc., qui nous accueillent ici. Parce qu'il faut savoir que s'il y a cette réunion-là aujourd'hui, c'est à cause de moi. Quand j'ai vu le programme. Hein, grâce pas de mégalomanie. Non, c'est pas de la mégalomanie, c'est de la vérité, ça suffit. Quand on regarde les programmes de journée d'été, qu'on se rend compte que le mot nucléaire n'existe pas, sauf le nucléaire militaire, t'envoies un mail à Marine, parce que c'est Marine Tondelier, hein, bon, je l'aime beaucoup, et elle a répondu intelligemment, mais il a fallu 5 échanges pour qu'en ayant discuté avec ses collègues, ses hiérarchies, je sais pas quoi, on puisse faire un atelier. J'ai dit chouette, j'ai dit à tous les copains, on a un atelier mur cette année aux journées d'été. 48 heures après, arrive, ah Michel, on va pas traiter que mur, on va mettre Graveline. Pourquoi pas? Et pourquoi tu ferais pas deux ateliers? Puis maintenant, après, on nous colle le Crillon, je les adore. On nous colle l'Ag, je les adore. On nous colle Laura, je l'adore. Et le blavette, on est d'accord, et le laton, je pense en gueule régulièrement, mais qu'on est d'accord, ça aurait pu faire 6 ateliers. Et là, je voudrais que vous applaudissiez. Alors, la raison, c'est le pourquoi. Moi, quand je fais une action, je cherche toujours pourquoi je fais une action. Pourquoi Europe Écologie Les Verts n'est pas foutu de traiter du nucléaire dans les journées d'été? C'est pas le sujet, excuse-moi, mais tu peux sortir si t'es pas content, non, c'est pas le sujet. Non, c'est on le sujet. On ne sera pas dans la soupe, c'est là, le sujet. On est venu écouter 6 Géo, ok ben, et je déteste les gens qui crachent dans la soupe. Non, mais je crache pas dans la soupe. Maintenant, tu y vas. J'explique qu'il y a un problème de cuisine, toi, c'est pas on s'en fout de donner. Mais si, c'est capital. Comment veux-tu qu'on avance? Comment veux-tu qu'en 11 minutes, j'explique pur? Je suis d'accord. Hein, c'est quoi, c'est ça, okay. Mais je m'en fous. Moi, je suis élu Europe Écologie Les Verts, j'essaie de faire un sujet. Si l'homme qui peut sortir, c'est toi, ça m'est déjà. J'entends que je te querelle, ça m'énerve. Je pas de querelle, je plus de querelle. Ouais, ça, alors, ça il a raison, bon, Michel. C'est la vérité, c'est heureusement qu'il me cautionne. Eh ben, sois là, mais c'est pas grave. Mais, on n'a pas besoin. Alors, moi, je suis militant depuis seulement 10 ans. Mais je suis d'accord qu'on parle plus. Oui, mais c'est vachement important. Je vous explique parce qu'on parle de lutte, on parle de manifestation, on parle d'organisation. Moi, pendant 10 ans, avec mes champenois, moi, hein, et notamment avec une Laetitia qui m'a aidé à virer l'Andra de 2 projets FAVL, et croyez-moi, c'est ça qui m'a coûté 3 mois de prison avec sursis. Plus 12 000 euros qu'on a trouvé sur Internet, comme Stéphane Dom le trouve pour son procès. C'est pas un problème. Il y a des gens intelligents sur Internet, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut trouver les raisons. Il faut réfléchir. Bon, j'étais
tort de réfléchir trop. Et nous, on a décidé, on a, enfin, c'est pas une décision, on a constaté que vous, quand vous avez 100 personnes dans une association, croyez-moi, 100, c'est déjà bien, il vaut mieux partir à la guerre avec 20 que faire du surplace avec 100. Je suis anti-consensus. Que ça soit clair. Si vous faites du consensus, vous ne faites rien. C'est évident. Hein, du bisounours, enfin. C'est juste, ferme la parenthèse. Et je vais toujours au fond des questions tout à l'heure. Je l'ai emmerdé avec la question pourquoi il y a 5 mobs sur 6 réacteurs dans son bled. Et j'ai répondu c'est à cause de Delalonde. Bon, ça fait hurler de rire mon voisin parce qu'il connaît l'histoire. Bon, je ne vais pas parler de Delalonde. À la limite, je donnerai la parole à Michel et on rigolera 5 minutes. Bon. Il faut connaître le monde dans lequel on vit, enfin, le monde pourri, le nucléaire, le mensonge, enfin bon, c'est pas le sujet. Alors le sujet, c'est pur. Donc, il y a un type qui s'appelle Bertrand Tulier, qui est un mec extraordinaire et complètement indépendant, il ne reçoit bien sur personne. Et là, il est motivé parce qu'il habite un château magnifique avec un élevage de chevaux à 25 km de Bure. Et un jour, il a découvert le dossier de l'ANRA, il a dit c'est quoi ce bordel. Et il est un des seuls en France, indépendant, à avoir lu les 4000 pages. Parce que Argile 2005 et Argile 2009, c'est 4000 pages. Bon. Il s'est tapé les 4000 pages, il a vu que ça ressemblait pas du tout au résumé que l'ANRA avait fait, où j'avais éliminé tous les problèmes. Et en 2008, on a ressorti les problèmes. Comme il a écrit des articles et fait des papiers, ça n'a servi à rien. J'ai investi beaucoup d'argent pour faire une conférence à laquelle j'avais invité toi, et t'es pas venu d'ailleurs. Mais Corinne Lepage, heureusement, est venue. Eric Corinne, on a fait un show, et puis les gens ont dit, mais il se passe des choses, il y a un problème, et là, on a foutu la merde. Il faut quand même foutre la merde, et c'est pas forcément en allant à des manifs, en gueulant avec des gueulophones, avec des banderoles merdiques qu'on réussit. Il y a d'autres façons de communiquer, de trouver des trucs. Bon. La dernière que j'ai trouvée, c'est arrêter le Tour de France à Bar-sur-Aube. Bon, ça a raté parce que j'ai pas eu le soutien sur le terrain, mais voilà, je voulais montrer que le Tour de France passait à 15 km de la plus grande poubelle nucléaire du monde, à 45 km de Bure, et je voulais que 8 millions de téléspectateurs le voient en direct et que le soir, 1,4 milliard de terriens sachent que l'étape Vesoul 3 avait été annulée à cause d'un connard qui s'appelle Michel Méris qui avait bloqué pour le vent. C'est tout. Bon, voilà. Alors, bien sûr, je suis un troublion, je suis respectueux. À une dernière réunion, j'ai dit à un mec, oh, arrête tes conneries. Ah, Michel, il faut pas dire conneries. Enfin, arrêtez. Moi, je suis l'argent de moi et on me comprend. Bon, Bertrand Tulier, un jour, il a dit... ça va pas, et il a étudié le dossier. Alors, je vais pas rentrer, parce que là, c'est pas 11 minutes, Bure, c'est 11 jours, enfin 11 heures. Enfin, bon, on a fait Tcherno 23, t'es venu, Tcherno 23, la conférence, elle dure 15 heures. Ceux qui l'ont pas vu, vous allez sur Internet, vous tapez YouTube Tcherno 23, Tcherno, hein, comme Tchernobyl 23, et vous verrez 15 heures de vidéo, elle tourne. Hein. Voilà, alors à Bure, vous avez tous compris, là, qui ne sait pas ce qui se passe à Bure, on lève la main. Tout le monde sauf pas, mais je Non, sérieusement, parce qu'on va en temps. Posez-moi des questions précises, sachant que le thème que je voulais aborder avec le diaporama que Bertrand Tulier m'a filé, on voulait réagir à la dernière, au dernier avis de l'IRSN, tout le monde sait ce qu'est l'IRSN, qui avait tendance à dire. Ce que Bertrand Tulier a dit avec Michel Guérit en 2008, ben c'est un peu vrai. Il y a quelques problèmes, il y a l'hydrogène qui sort des fûts, ça peut exploser, ça peut faire un incendie, le bitume va brûler, ça va être le bordel, on va ressortir des cochonneries dans l'atmosphère, on va asphyxier tous les haut-marnais, etc. Sachant qu'il y en a très peu, hein, il y a 5 habitants au kilomètre carré, c'est pour ça qu'on va là-bas. En plus, au niveau intellectuel, ils sont quand même là. Donc ça se passe bien. Ils adorent le pognon, tiens, on dit le pognon, vous allez voir comment je vais acheter vos applaudissements. Chacun 10 euros, vous allez voir. Si. Et là, ça dégaine. Ça marche. Il n'y a plus de LV, pas sur le petit. Ah, si, 10 élus. Ceux qui en veulent de 20, ils prennent 20, c'est pas grave. Moi, j'ai très généreux. Ça vient de la Banque de France. Voilà, donc on arrose. Tout à l'heure, tu étais fier de tes équipements, là, machin. Attends, viens, Solène, tu vas voir. Hein. Il y a des géraniums dans les lavoirs, les routes sont nickel, les réseaux sont intéressants. Ah oui, alors moi qui suis vieux maintenant, je vous parle de mon colis de Noël de vieux extraordinaire, un billard, non mais c'est pas des conneries. Le transport scolaire est gratuit, le ramassage des poubelles est gratuit, on ne paye pas toutes les taxes foncières. Enfin, voilà.
si je veux aller faire une radio à Bar-sur-Aube, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans le village, hein, ni un troquet, ni une mobilette, hein, c'est clair. Et puis, il n'y a plus de touristes maintenant. Enfin, les villages sont beaux. Vous téléphonez, on vous envoie une bagnole, hein, ça s'appelle l'abeille, et l'abeille vous emmène gratuitement chez le médecin. Enfin, c'est l'arrosage, mais c'est capital. Alors, je peux faire une question. Dans le cas où on parlait tout à l'heure du débat démocratique, si on faisait un référendum local, non. Étant donné que il a été fait dans le référendum local à Soulaine, mais on a dit on ne veut pas de l'endroit, l'endroit est venu quand même. La démocratie, j'adore, à chaque fois on parle de la démocratie de la foule. Mais Bure et Soulaine ne sont pas des sujets démocratiques. C'est une loi qui a d'intérêt général. On doit foutre ce putain de déchet quelque part. On a choisi Soulaine et Bure, on les met. C'est comme quand on décide de faire passer une autoroute. La différence entre une autoroute et Bure, c'est qu'une autoroute, tout le monde comprend, une ligne TGV, on comprend, un réservoir d'eau, on comprend. Un Europa City, on comprend, mais le nucléaire, il faut être allé à l'école. Faites polytechnique comme Bernard pour comprendre de quoi on parle. Alors, moi, je cherche toujours à simplifier, mais quand on simplifie à l'extrême, ça devient un peu l'école. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu es contre le stockage en profondeur ou tu es contre du... Mais on est contre le stockage. La question est nulle. C'est pour t'ouvrir le débat. On dit, on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. On nous a fait croire qu'on avait cherché des solutions, pas du tout. On a décidé, comme la crotte du chat, on la cache. Ils ont lancé ça, mais en 70, on en parlait déjà. Moi je m'amuse à aller rechercher tout ce qui est législatif, parce que, je répète toujours, ça s'appelle le processus décisionnel de la création de CIGEO. Le processus décisionnel. Il a été inventé par des gens géniaux. Géniaux. Des mecs... 40 ans. Le processus, il est nickel. Il y a de temps en temps des années croches, il y a heureusement les Longuets et tous les autres qui font ce qu'il faut pour qu'à 5h du matin, on bricole les lois et ça passe. Rien ne peut empêcher CIGEO. Rien. Enfin, au niveau légal, rien. Ça passera. Il n'y a plus de loi à faire, ça sera un décret du Premier ministre qui dira en 2018 maintenant, j'autorise la création. L'avis de l'IRSN, l'avis de l'ASN ne sert à rien, même s'ils disent qu'il ne faut pas le faire. Ce ne sont que des avis. Ça, je l'ai vérifié sérieusement. Je confirme, mon dictionnaire me dit rien à foutre s'il dit ça, à la limite, on changera de directeur. Pierre-Franck Chevet, qu'il y en a qui sont en admiration pour lui, c'est le voyou qui a autorisé Stockamine. Vous pouvez le répéter comme ça, notez-le. Pierre-Franck Chevet est le voyou qui a autorisé Stockamine en disant il n'y a pas de problème, je valide. Et la première fois que j'ai vu ce voyou à une réunion à Paris, il nous a dit « j'ai le pouvoir de dire non ». J'étais furieux. J'avais envie d'aller les gorger pour l'empêcher. C'est grave. Alors le problème, c'est que ce type-là, il est là, et puis tant qu'il va bien, on va le garder. Bon, le jour où il va un peu déconner, hop, on en mettra un autre. Et il est nommé par... Là, c'est le problème, on est... Donc ton histoire, c'est que, alors, comment tu conserves les dés sont pipés, c'est fini. Mais les dés sont pipés, l'IRSN n'est pas indépendante, la SN n'est pas indépendante, ENV n'est pas indépendant. J'ai quelques fois que certains sont indépendants. À une époque, ils ont échangé des sièges contre des vainqueurs. C'est toujours des grands partout. On est là. Et donc, on n'est pas nombreux. On va juste pour que ça vous plaise. La tasse, on reviendra sur le débat parce que je sais que toi, par exemple, tu me dis, mais c'est pas que moi, je représente quand même. Mais on est le débat là tout à l'heure avant, à la limite, c'est moins pire. Ah, mais là, c'est parfait. J'ai visité la Hague. Je suis parmi les rares à avoir vu ce putain de colis d'1m35 de haut, 70 cm de diamètre, et que si tu restes une minute à 1m, t'es mort. J'en ai vu un à travers une vitre en plomb d'1m20. Tu l'as fait, Briac, là, tu l'as vu? Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu? Bah, moi, avec la clique Soulaine, parce que je suis à la clique Soulaine. C'est super, alors la clique Soulaine. Alors la clique Soulaine, alors il n'y a pas osé dire, c'est un truc pourri, voyou. C'est. 80 femmes, la moitié, hein, c'est calculé, la moitié sont des élus. Donc des élus arrosés avec des billets que vous avez. Donc ils sont là, bénis, on veut.
C'est vrai. Puis alors, on a dit des associations environnementales, chasse, pêche, n'importe quoi, le syndicat, n'importe quoi. Bref. C'est nul. Non, alors, je suis le seul. À la conclusion, il n'y a pas Christian Briot, qui est une élue écolo, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, suite au bordel qui existe dans notre mouvement politique. Mais il y a des élus qui siègent, des élus écolo. Nos camarades décédés, malheureusement, a été auprès du conseil régional Champagne-Ardenne à l'époque, très, 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 très actif. Mais pour aller dans le sens de Michel, tu le vis aussi, je pense, un peu à l'interclimanche, on est minot. Enfin, faut regarder les choses. Je vais vous donner, je sais que Michel provoque les questions, et donc il y a un instant plein de questions. Provoque tout court. Je vais en plus. C'est une technique de. Je vais donner la parole à Adora, qui est déjà la centrale absolument là. Et pour le coup, qui a été manifestation à Bure le 15 août? Est-ce qu'il y en a dans la salle ou pas? Laura y était. Pour le coup, étant donné le sujet et l'importance que ça a pris, et je pense que je suis d'accord avec Michel, je pense que c'est un sujet que LV, sur lequel on doit se positionner. Toi, tu étais sur place, on a entendu beaucoup de choses, on a eu l'image à l'extérieur. Toi qui étais de l'intérieur, comment tu as vécu ça? Malheureusement, en deux minutes, parce qu'après il y a Bernard, mais on a déjà. Mais déjà, je ne vais pas répondre tout de suite à la question, parce que je trouve dommage en parlant de CGO de se focaliser uniquement sur cette manif du 15 qui a mal tourné. Parce qu'en fait, c'est se focaliser sur un peu fait d'actualité et ça efface tout ce qui a pu se passer depuis une bonne année. Et donc, je vais essayer de la faire en 1 minute 30 et puis je parlerai 20 secondes de la manif. Et puis, je dirais aussi bien qu'à ELV, ils sont agistes et sexistes, puisque. Non, je déconne. Mais je suis mieux. Du coup, commencer par dire un peu une généralité, mais j'ai l'impression que les déchets nucléaires, ça illustre bien la folie de notre époque, en fait. Et cette folie technologique et cette fuite en avant, et c'est vraiment un des exemples types de cette folie de l'humanité, puisque pour finalement une génération qui va vivre grassement et avoir une production d'électricité, on va générer des rebuts qui vont être radioactifs et dangereux pendant des milliers d'années et impacter des générations futures sur des générations et des générations. Et en fait, finalement, du coup, la problématique des déchets nucléaires, finalement, elle dépasse simplement la question du nucléaire, elle pose énormément de questions et d'enjeux sociétaux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que cette question de qu'est-ce qu'on va faire des déchets mérite vraiment un débat de société et qui doit du coup être dénué de tout intérêt économique. Alors pourquoi il y a eu cette manif mardi? Et bien du coup, je voudrais revenir juste une année en arrière. C'est qu'en fait, en juin dernier, 2016, l'ANDRA, dont parlait Michel tout à l'heure, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, a commencé en catimini des travaux dans un bois qui s'appelle le Bois-le-Joux. On parlait de référendum aussi tout à l'heure. Quelques années auparavant, il y avait eu un référendum dans cette commune où on demandait aux habitants s'ils acceptaient d'échanger leur bois contre un autre bois, évidemment, moyennant compensation financière, moyennant promesse d'embauche à tous les habitants et familles de la commune, etc. etc. Les habitants avaient refusé à une large majorité. Le conseil municipal a changé, l'ANDRA a un peu changé les termes de l'accord et le conseil municipal s'est complètement assis dessus. Ce qui a permis à l'ANDRA d'acquérir ce fameux bois et de commencer en catimini des travaux préparatoires alors que le projet n'est même pas encore autorisé. Mais c'est un peu la stratégie du fait accompli, c'est-à-dire que là, ils ont besoin de faire beaucoup de travaux préparatoires qui ont vraiment déjà beaucoup d'impact, ne serait-ce que pour réaliser leur étude d'impact, pour pouvoir déposer leur demande d'autorisation de création. Donc on est dans un projet tellement fou que ne serait-ce que les recherches pour caractériser en fait le projet génèrent tellement de nuisances que en fait elles nécessitent elles-mêmes des études d'impact, etc. C'est un truc un peu fou.
Et en fait, depuis, c'est succédé, actions de blocage, occupation, sabotage de chantier, etc., qui ont été mises en place par à la fois les opposants historiques, des associations, des militants récemment venus, etc., etc. Et du coup, en fait, ce sabotage du chantier a eu lieu il y a un an, le 14 août dernier, donc en 2016, et depuis, ce voie le jus est occupé. Pourquoi détailler un peu ça? Parce que aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, alors là c'est un peu une position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, Bure, c'est vraiment la seule lutte anti-nucléaire, en tout cas, c'est le seul endroit où on a des réelles prises. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on lutte en fait contre de la prolongation de réacteurs ou la construction d'un EPR, mais sur un site déjà existant. Du coup, on a du mal à contrer frontalement des projets. Après, évidemment, il y a eu des combats. Tout à l'heure, je crois que Michel a évoqué rapidement Gunemont, qui est autour de Bure, où un projet a réussi à être éjecté. Mais ça, il me semble que c'est vraiment important à intégrer qu'aujourd'hui, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment ça qui est en train de se passer, c'est ce sentiment d'avoir une prise. Et du coup, voilà, il y avait tout un week-end de mobilisation. D'abord, il y a eu un festival tout le week-end, informatif, festif, avec du cirque, des concerts, des conférences, etc., etc., qui, notons-le, s'est très bien passé. Donc, il ne faut pas se mettre à flipper et devenir à Bure, parce qu'il y a aussi des trucs sympas qui s'y passent, et ce n'est pas que des manifs où on va au carton, mais en fait, là, ça fait deux que ça se passe comme ça, mais parce qu'il y a vraiment une volonté de réprimer, mais il se passe aussi plein de choses. Question franche. Ouais. L'affrontement, c'est venu des manifestants, ou ça a été provoqué par... Très clairement, pour moi, il y avait une volonté affichée des autorités que la manif ne puisse pas se dérouler et de provoquer des affrontements dans les villages. Puisque dès le départ de la manifestation, elle a été bloquée au bout de 200 mètres, au cœur du village de Bure. Et il y a vraiment une stratégie... Tu sais que cette stratégie, elle est appliquée à chaque fois, oui. Pas que pour ce nucléaire, sur d'autres choses. Bien sûr. Est-ce que là, si je rejoins Michel, il est parti. Est-ce que ces stratégies sont efficaces? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies de communication? Parce qu'à chaque fois qu'on tombe dans le panneau, on se fait l'image qui en sort, je ne sais pas quelle image en est sortie, mais l'image qui en est sortie n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaitée. On manipule ces images pour vous stigmatiser. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions de communication autour de France ou des choses comme ça qui... in fine, ce serait plus efficace parce que les caméras sont là, parce que... Est-ce qu'il y a... Voilà, je... Après, faire de la com pour la com, mais le degré de subversion, c'est un peu ça, et de réelle capacité de prise et de s'opposer. À un moment donné, quand on veut s'opposer à ces travaux, il faut s'y opposer, du coup, occuper concrètement, etc. Je pense que si on était tombé dans le panneau à chaque fois, on n'en serait pas là, justement, avec une occupation en place, etc. Ce qui est très clair, par contre, c'est que là, il y a un besoin collectif de repenser les modalités d'intervention et en tout cas de ne pas aller au casse-pied sur des manifs comme ça. Est-ce qu'ils vous attendent là-dessus à chaque fois? Voilà, et surtout qu'on n'est pas sur un projet similaire à Notre-Dame-des-Landes, où par exemple, il y a une emprise, on peut créer une zone à défendre. C'est pour ça qu'à Bure, dans la communication, on dit que ce n'est pas les ZAD, c'est qu'en fait, c'est tout un territoire à défendre. Parce que, comme le disait très bien Michel tout à l'heure, en fait, c'est... des élus corrompus, des territoires arrosés, c'est quand même 60 millions d'euros par an, par département, qui sont donnés par le biais d'un groupement d'intérêt public. Et donc, en fait, on est vraiment dans un achat des consciences, une colonisation, et en plus, par le biais de groupements d'intérêt public, l'industrie nucléaire a réussi, tour de passe-passe, de se faire financer tous les projets nucléaires qu'elle n'arrive pas à mettre ailleurs, elle essaie de les installer dans un périmètre de 50 km autour de Bure. Je vais juste obliger de plus la question, on nous laisse la parole à Bernard. Juste peut-être donner les prochaines dates tout de suite de mobilisation sur ce sujet-là. Là, comme ça, sur Bure, en fait, les enjeux, c'est surtout que l'Entrava là, va continuer ses prospections. Va essayer de continuer ses prospections sur le bois le jus et à d'autres endroits pour continuer la caractérisation du site et qu'à partir de la fin de l'année et surtout début 2018, c'est tous les travaux sur les projets connexes qui vont commencer, à savoir poste électrique, élargissement des routes, construction ou réhabilitation de lignes ferrées, les raccordements en eau, etc., etc. Et tout ça, ils vont les mettre en place avant même que CIGEO soit autorisé. Ce risque. Si je peux me permettre une toute petite chose.
En Normandie, on a l'expérience de ce qu'est la violence d'État. Parce que comme le disait très clairement Laura, la police et l'État sont au taquet dès qu'il s'agit nucléaire. Et en Normandie, on a essayé de développer depuis 2007 une résistance à la ligne à haute tension. Et par rapport à un débat qui s'est tenu juste auparavant, c'était en juin 2012, un homme venait d'être élu président de la République. J'étais à Montabo, sur la colline de Montabo. Il y avait une simple manif avec des gamins, des familles, des poussettes. Ça fait 25 ans que je suis militant, je me suis pris des boulons de la CGT à la Hague, qu'en ai fait avec Dany, avec la campagne européenne en 99. Je n'ai jamais vu autant de violence qu'à Montabo. Lorsque je suis revenu une heure après le début de la manif, il y avait 25 mômes, les jambes en sang, sous la tente du chapiteau de Montabo. Un personnage qui prétendait réduire la part du nucléaire, à peine un mois après son élection, a laissé faire le préfet sur place, et je vous assure, du côté de Montabo, des choses ignobles ont eu lieu. Un élu, un camarade écolo de très longue date, qui avait pris un arrêté municipal, son arrêté municipal a été cassé par le préfet. Son arrêté municipal était très simple. Lui-même étant éleveur bio, adhérent de la Confédération paysanne, ne voulait pas que la ligne à haute tension passe au-dessus de son étable. Il a fait... Et donc, non seulement son arrêté a été cassé, mais ensuite, les jeux de pouvoir qui existent dans notre société ont fait qu'il a perdu. Il a dû démissionner de son poste de maire. Donc, quand on est de face au nucléaire, il y a des choses qui, parfois, peuvent relever de la science-fiction, mais qui sont réelles. Et là, c'est une très bonne chose, François Dufour vient de revenir, conseiller régional de Normandie, on a des camarades de très longue date qui reviennent, mais je vous assure, le nucléaire, c'est pas simple, et quand l'État veut faire passer un projet, il n'hésite sur aucun moyen. On est quand même l'année où on s'est souvenu du premier mort écolo. Le premier mort écolo, avant Rémi Fraisse, qui triste bilan du mandat de François Hollande, c'était un militant anti-nucléaire. Et c'est pas pour dire. Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Ouais, je vais juste passer la parole, parce que pour le coup, là, vous avez eu un niveau, mais là, on va monter encore au-dessus. Bernard, je suis désolé, parce que j'avais promis de tenir le temps, j'ai pas réussi. Non, Laura, t'es un peu non, non, on les affichera à la fin, les dates, vas-y, parle. Justement, j'ai une chose à réécrire. Et ça les vaut largement. Et à la fin, on vous projettera justement les dates des mobilisations à venir, etc., qui nous peut faire hommage à la Oui, il faut tourner. Ah, merci. Bienvenue toi, Bernard. Alors. Bon, là, c'est le troisième sujet, coût du nucléaire et benchmark international. Je vais vous présenter. Dans quel esprit cette petite présentation, parce qu'elle est courte, vous avez compris. Et il me semble que, indépendamment de ce qui a été dit précédemment, il est quand même important dans ce domaine d'avoir une certaine connaissance des choses, ne serait-ce que quand vous vous heurtez, soit en tant que militant, soit même dans un cercle de relations, à des positions qui en France sont très généralement pro-nucléaires. Pour des raisons historiques complexes, c'est un sujet, c'est presque l'affaire de juge, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on est pour nucléaire, et que très souvent, à part quelques militants peu nombreux, suffisamment formés, par rapport aux questions ou aux positions pro-nucléaires, beaucoup de gens ne savent pas trop répondre. Et mon objectif, si je puis dire, c'est de fournir quelques éléments de base qui permettent de contrecarrer, répondre, donner des informations pour au moins semer le trouble. Je ne suis pas encore dans une ambition de tout changer,
mais de te permettre, de permettre à chacun d'avoir une opinion assez construite pour intervenir dans des débats et peut-être essayer de convertir, ou pas convertir, de convaincre plutôt certains élus. Nous avons beaucoup de nouveaux élus. Ces nouveaux élus sur le sujet nucléaire, ou bien ils sont pro-nucléaires par définition, ce qui était le cas des assemblées précédentes depuis la première, la Seconde Guerre mondiale, et Michel pourrait en parler, mais peut-être que les nouveaux sont un peu ignorants, et que donc les attaquer sur ce sujet, leur dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, CIGEO, l'EPR, la Hague, les ébranler de façon à ce que, quand même au niveau de l'Assemblée nationale, qui est quand même quelque chose d'assez important, puisque ça vote les lois, ou bien au niveau des gouvernements, il puisse y avoir un certain changement d'opinion. Vous voyez que mon ambition est relativement faible par rapport à mes prédécesseurs. Alors, c'est quelques enseignements de base, je veux dire. On peut les trouver dans la littérature, on peut les trouver sur le site de Global Chance, l'association dont je fais partie, on peut les trouver dans des livres, mais c'est pas mal d'avoir quelques repères. Alors, ces repères, c'est ce que j'appelle ici, pour cette première planche, la grande illusion. Il faut bien voir que aujourd'hui, ce que les pro-nucléaires, grosso modo, les gouvernants, la plupart des élus et les entreprises, dont EDF, qui est quand même en France une puissance extraordinaire, c'est l'équivalent du Vatican en Italie, c'est quelque chose de sacré, sortent le même discours qu'ils nous sortaient, puisque j'étais malheureusement à l'époque, donc au début des années, dans les années 60, sur le nucléaire. Et ce discours, c'est ce que j'appelle les arguments historiques, c'est une énergie propre, sûre et bon marché. Elle a été vendue, entre guillemets, comme ça, au midi. Avec en plus le lien avec le militaire, qui est très important, mais bon, je préfère ne prendre pas trop de temps. Il faut être capable, en quelques mots, de répondre à ces trois trucs. À des gens qui, en général, en connaîtront beaucoup moins que vous. Parce que le pro-nucléarisme en France est tellement fort que c'est un truc de foi. C'est-à-dire que vous creusez, moi j'ai rencontré des tas de députés, y compris qui sont à l'observatoire, qui sont vice-présidents de je ne sais pas quoi, qui ne connaissent rien. Mais comment marche un réacteur ? Donc propre, non. Ce qui a été dit précédemment, et c'est très important. C'est-à-dire que même lorsque le fonctionnement du nucléaire est correct, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de Tchernobyl, il n'y a pas de Fukushima, etc. Pour le moment, disons grosso modo la situation en France, cette activité représente une pollution considérable. Je ne parle même pas des déchets radioactifs. La pollution, c'est-à-dire les rejets dans l'atmosphère et dans la mer de la Hague, c'est permanent, c'est lié de façon parfaitement régulière à l'activité nucléaire, et c'est permanent. Donc c'est une énergie, cette utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité est polluante de façon irréversible. Et cette notion d'irréversibilité est très importante. Irréversibilité pourquoi ? Parce que la radioactivité qui est envoyée dans l'environnement va mettre des centaines d'années ou des milliers d'années à décroître. Et donc les arguments, par exemple, disant « mais ça n'émet pas de gaz carbonique », ben oui, mais ça émet des rejets radioactifs extrêmement dangereux pendant des très longues périodes. Donc, propre, non. Il est quand même difficile que quelqu'un en face de vous prétende qu'il n'y a pas de pollution radioactive, c'est quand même, on commence à être connu. C'est une énergie qui est sûre. Alors, ça a été basé là-dessus, l'accident nucléaire était impossible. Et ça, vous devez comprendre une chose très importante historiquement, c'est que pendant très longtemps, l'accident nucléaire a été considéré comme impossible, y compris dans la conception des réacteurs. Et pour nos 58 réacteurs qui fonctionnent en France, l'accident grave, je ne parle même pas de l'accident type Fukushima, mais l'accident grave, c'est-à-dire type Primal Island, n'est pas pris en compte dans la conception des réacteurs.
pas intéressant. Et les choses ont changé à partir du moment où, je dirais dans la version, dans la parole officielle, à partir du moment où l'autorité de sûreté nucléaire a dit, et continue à dire, un accident de type Fukushima est possible en France. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites à votre voisin, à votre boulanger, c'est le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Si donc cet accident est possible, ça montre que la sûreté assurée, c'est faux. Troisième chose, c'est une énergie qui produit de l'électricité très bon marché, tellement que, il y avait une phrase célèbre dans les années 60, en américain, too cheap to be true, c'était trop, ça serait trop bon marché pour que l'on installe des compteurs. J'ai dit, too cheap to be true. C'est bon marché. Excusez-moi, c'est l'autorité. C'est pas Alors, et le dernier argument, j'en parlerai peu, c'est la question du changement climatique qui c'est pas historique, c'est sorti avec après Rio et tout ça. Et on pourra en dire un mot, mais je m'arrête sur les trois. Alors sur les trois, la sûreté, on a eu le premier exposé par la ligne de PR, donc vous pouvez trouver des choses, mais elles ont été dites. Sur la propreté, vous avez la question des rejets dont j'ai parlé et la question des déchets radioactifs, qui eux sont encore plus irréversibles, avec d'une part la situation existante, extrêmement risquée, c'est-à-dire d'une part les stockages qui existent à Soudaine, dans la Manche, qui de toute façon sont des stockages qui devraient être surveillés pendant des centaines d'années, 800 je crois pour la Manche et 500 même, je crois bien pour Soudaine. De l'uranium appauvri un peu partout, des stocks considérables d'uranium appauvri qui est radioactif. Les mines d'uranium, 250 sites répertoriés en France, dans lesquels vous avez aussi des résidus miniers qui sont dangereux. Donc vous avez une situation liée aux déchets qui est extrêmement dramatique. Que ce soit les déchets qui se trouvent à la rade, ou que ce soit les déchets qui seraient prévus, entre guillemets, pour Bure. Deux mots sur Bure. Un, le projet est inacceptable par lui-même, même si on voulait faire des enfouissements en profondeur. C'est un projet qui, industriellement et scientifiquement, est nul. Voir donc tous les travaux de Bertrand Tuyer, par exemple. Et deuxièmement, c'est un projet inacceptable du point de vue éthique. C'est-à-dire qu'on met les choses sous le tapis et on les laisse aux générations futures, qui, de toute façon, ne pourraient rien faire, puisqu'on aurait refermé et enfoui. Et enfin, si la France fait ça, ou ferait ça, pas sûr du tout qu'il le fasse. Ferait ça, ben tous les autres pays et toutes les autres entreprises diraient mais c'est formidable, nous faisons comme la France, on fait un trou de très bonne qualité, on enfouit des trucs avec tous les soins possibles et on rebouche. Et plus personne n'ira voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la qualité du trou. Oui, mais et donc, nous refuserons parce qu'on aura assez de place. Et dans deux siècles, la croûte terrestre, qui pour le moment n'est pas trop atteinte, on a bousillé l'atmosphère, on a bousillé les mers, la croûte terrestre sera polluée et ça veut dire que l'eau sera polluée. Donc pour moi, c'est une catastrophe, indépendamment de toutes les choses qu'on peut dire dans le détail des accidents. Il nous reste la troisième, le bon marché. Alors pour comprendre le bon marché, avant d'attaquer la question des coûts, je pense que là aussi, c'est bien d'avoir une petite connaissance de base sur le nucléaire dans le monde. Parce qu'en France, tout le monde est convaincu qu'il y a du nucléaire partout, que le nucléaire est une source d'énergie absolument extraordinaire, et qu'on ne peut pas s'en passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la production d'électricité dans le monde ? Qui quand même a commencé dans les années 50, c'est-à-dire qu'on a plus d'un demi-siècle de programmes nucléaires, de construction de centrales nucléaires, soutenus par les États, avec des lois parfaitement adaptées, en particulier le fait que le nucléaire, sauf dans un pays, le nucléaire est assuré par l'État, c'est-à-dire que dans les autres industries, le pétrole par exemple, les raffineries, l'industrie c'est les eaux qui sont autour de Gravelines, l'industriel s'assure. Là, ces centrales nucléaires sont dispensées d'assurance, c'est-à-dire que s'il y a un accident, c'est l'État qui va être.
et de prix, le coût d'un accident, type Fukushima par exemple, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc, milliards. Donc, si vous voulez, le nucléaire a été favorisé par les politiques d'État et par les politiques, je dirais, liées à la question du financement et des assurances. Malgré cela, vous voyez cette courbe qui est remarquable, c'est que dans la production d'électricité, dans le mix électrique, dans la production d'électricité au monde, le nucléaire a atteint son maximum en 1986, à peu près. Oui, c'est ça, non ? Oui, 87, pardon. À peu près 18% de la production d'électricité au monde, 17,6. Aujourd'hui, on est à 11%. C'est-à-dire que depuis, la part du nucléaire n'a cessé de décroître. Et en plus, en valeur absolue, parce qu'il y a la part, mais aussi en valeur absolue, vous voyez que depuis 2006, ça a décru. Et donc, dans la situation énergétique mondiale, le nucléaire, c'est peanuts. Et ça, c'est la plupart des Français pro-nucléaires ne savent pas. Ils savent très bien que la France est formidable, c'est la meilleure, mais ils s'imaginent qu'il y en a un peu partout. En fait, le nucléaire représente part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale. Ça aussi, c'est que l'électricité, c'est pas toute la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, c'est les produits pétroliers, c'est le charbon, c'est le gaz, le chevaux, vous avez du gaz, le truc et de l'électricité. La part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire ce que vous consommez, les bureaux consomment, l'industrie consomme, dans le monde, c'est 18%. En France, c'est 25%. Silence dans les rangs. La part du nucléaire dans la consommation d'électricité. Vous consommez de l'électricité, c'est la part du nucléaire. Alors, en France, c'est 65%, parce que le 75%, c'est la part dans la production d'électricité. Mais on en a trop. On en a trop. On a dit, ce qui est important à savoir pour la réduction du programme nucléaire, on a 10 à 12 réacteurs dont la production est exportée. Donc si vous décidiez demain de fermer au moins une dizaine, il n'y aurait pas de répercussion sur la consommation française d'électricité. Ce qui est important, parce que quand vous exportez l'électricité, d'abord vous la vendez pas cher, c'est pas intéressant financièrement, et vous gardez pour vous le risque d'accident et les déchets radioactifs. Donc les pays qui achètent, ils sont ralliés. L'Italie achète de l'électricité d'origine nucléaire à la France et ils disent si les Français sont trop cons pour nous en vendre. Ce qui est le cas, je crois, avec le débat avec l'Allemagne, où on dit souvent on exporte. Attendez, Alors, vous avez donc la part du nucléaire dans la consommation d'électricité, 65% en France, 10,6% dans le monde, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la contribution du nucléaire à la consommation d'énergie finale, c'est ça qui nous importe d'une certaine façon. Quel rôle joue le nucléaire dans cette consommation? Au monde, 1,9%. En France, 16%. 16%, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus. Alors qu'en France, quand on parle d'énergie, on parle tout de suite d'électricité, on parle tout de suite de nucléaire. Il faut connaître ces chiffres pour dire, écoutez, arrêtez de nous emmerder avec 2% au monde. C'est-à-dire que si demain matin on arrêtait tout le nucléaire, il y aurait un problème de 2% à trouver. Alors là, on les trouve demain, on fait 3 trucs photovoltaïques, on les trouve. Donc, il faut aussi ridiculiser d'abord l'arrogance nucléaire. Dont parlait Michel Guéric, toute cette introduction. Et là, vous avez, alors je reviens en arrière, l'image, les démarrages de centrales nucléaires, vous voyez, historiquement, c'est intéressant, ça démarre, je crois, dans les années 50, ça monte genre jusqu'en 1900 quelque chose, et ça redescend depuis. Et donc, c'est ça la situation réelle. Et si vous regardez ce PowerPoint, vous pouvez faire un tirage couleur, il y a 10 planches, c'est pas beaucoup, et que quelqu'un vous emmerde, vous lui dites, écoutez, voilà la situation actuellement du nucléaire dans le monde. Et pour terminer, sur cette question mondiale sur laquelle on pourrait dire plein de choses, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus d'investissement dans le nucléaire, c'est la courbe rouge, c'est en milliards de dollars.
la courbe rouge en bas, c'est les investissements dans le nucléaire dans le monde, hein, entre 2004 et 2014. Il y a des fluctuations parce que, comme on investit la construction d'une centrale, c'est très long, il y a une espèce d'étalement des dépenses. Enfin, voilà les dépenses, voilà les investissements dans le nucléaire. Tout s'y a, il n'y a plus aucun investissement privé. Et des États, dont la France, ça coûte très cher. Et le reste, c'est les investissements dans les énergies renouvelables. Vous avez, j'arrive pas à lire, le solaire, le photovoltaïque et la biomasse. Voilà. Donc voilà, très vite, cette situation du nucléaire dans le monde, il est important de savoir par rapport à cette situation française. Juste une anecdote de détail. Un grand producteur d'électricité américain avait deux réacteurs de 1000 MW, donc c'est un peu plus que Fessenheim, par le livre, en construction. Ils ont arrêté la construction la semaine dernière, il y a 15 jours, parce qu'ils avaient déjà dépensé 9 milliards de dollars et ils avaient calculé que le prix total serait 25. Donc ils ont préféré s'arrêter à 9 plutôt que d'aller jusque-là. Donc actuellement, aux États-Unis, c'est là qu'il y a le plus de réacteurs, une centaine, vous avez non seulement des réacteurs qui s'arrêtent parce qu'ils sont considérés comme un peu vieux, etc., mais même des constructions qui s'arrêtent. Et c'est la réalité de la situation mondiale du nucléaire. Alors, je passe maintenant sur les comparaisons. Vous avez les comparaisons de... des comparaisons de coûts et des exemples. Si on regarde la situation en France, les questions de coûts, ça c'est intéressant, c'est dans les réacteurs qui ont été construits depuis le début. Là je parle du programme des années 70, donc qui a commencé avec Fessenheim, Gravelines, Tricastin, etc. Les prix, alors on a beaucoup utilisé l'argument en disant que ce sera vraiment moins cher puisque c'est des séries, c'est à peu près les mêmes réacteurs. C'était quand même sous licence américaine pour une perte de pression du coût. C'est bon à savoir, nos réacteurs sont quand même essentiellement sous licence américaine. Le génie français n'a rien à voir dans ces réacteurs, sauf le PR dont on a eu la catastrophe. Donc les coûts d'investissement du nucléaire ont cessé d'augmenter jusqu'à les derniers des séries précédentes. Donc, les 1450 MW, c'est le dernier réacteur CIVO et la chose, où c'était à peu près trois fois plus que les prix, les coûts initiaux, enfin constant, non constant, hein, bien sûr, ça ne tient pas comme l'inflation. Et le PR qui est tout à fait à droite, là, il correspondait en 2011, c'était encore à 6 milliards. Donc ça, c'est le coût par mégawattheure, c'est-à-dire 3500 par mégawatt, pardon, et bien maintenant on est bien en dessus de ce niveau, pas tout à fait le double, puisque comme l'a dit Guillaume, on est à peu près à 11 milliards, on arrivera probablement à 12. Donc le coût d'investissement, qui est le coût le plus important dans la construction des centrales, n'a cessé d'augmenter. Le PR, c'est un bon exemple. Donc, ce qui a été dit par Guillaume, il a été vendu aux politiques et au Parlement, le Parlement a voté sur le PR, à 3,5 milliards, et on en est à 10,5 ou 11, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que ce malheureux nucléaire, qui en plus est très dangereux, comme on l'a vu précédemment, quand on fait une comparaison par rapport aux autres productions, là j'ai pris un exemple, la France, si vous prenez un pays particulier, la France par exemple, c'est très difficile parce qu'il y a des coûts d'électricité qui sont imposés, il y a des... c'est très difficile de faire des comparaisons. J'ai pris les États-Unis, qui est quand même le pays où il y a le plus de développement des différentes filières, et les chiffres, c'est une banque d'investissement. Donc là, eux, ils sont neutres par rapport au risque du nucléaire ou de l'éolien ou de toute façon. Et c'est la banque Lazare, c'est des chiffres de relatifs à 2014 sur les nouvelles installations nucléaires, les installations de production d'électricité. Vous voyez la ligne nucléaire, hein, c'est presque au fond. En euros par mégawattheure,
Alors qu'on a vu, je ne sais plus quand, les 59, actuellement, le prix, le coût du mégawattheure nucléaire, c'est entre 55 et 60. Vous voyez, pour le nouveau nucléaire, c'est-à-dire le PR, ce serait entre 81 et 117. Et 117, c'est justement le chiffre qui a été donné pour le projet d'Unité Point de construction d'un EPR en Angleterre. Donc ça coïncide assez bien. Vous voyez que c'est donc le double. C'est le double du coût des centrales actuelles. Qui va se payer un EPR? Les Anglais, bon, c'est des fous furieux, mais bon, peut-être que le Brexit va changer les choses. Mais on arrive donc à une situation économique, et ça c'est très important. Les risques, c'est très important, mais par rapport à une discussion, c'est pour ça que la presse française commence à parler du EPR en émettant quelques doutes, pas du tout à cause des déchets, pas du tout à cause du risque, à cause du doublement du coût. Parce que la presse économique, les échos, etc., font des articles expliquant que on ne comprend pas pourquoi, on fait un truc si cher. Et là, vous voyez que le nucléaire est à 117, le solaire photovoltaïque cristallin est à 76, le solaire amorphe 76, aux États-Unis, l'éolien terrestre. Je ne sais pas si c'est idiot, je n'ai pas mis les euros, mais c'est un peu moins. 81. Alors, ce qui est remarquable dans ce tableau, parce que vous ne trouverez jamais ça nulle part, c'est qu'il y a une ligne efficacité énergétique. C'est-à-dire une ligne économie d'électricité. Que l'on ne fait pas. On ne fait pas d'économie d'électricité. Or, en France, les deux tiers de la consommation d'électricité, pas dans l'industrie, pas dans les transports, dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Pratiquement 70%. Donc vous avez des potentiels d'économie considérables. Et pas tout. C'est-à-dire que vous avez des trucs à zéro, peut-être dans les lumières, vous avez des trucs à 10, etc. Et là, ils se sont arrêtés à 5 points. C'est-à-dire que ils ont un potentiel considérable jusqu'à 50 euros le mégawatt. Pour rester à la situation française, c'est un tableau qui est simple. Le coût du nucléaire actuel, 59,8, pour 60 euros le mégawattheure. Ce qui fait que le nucléaire actuel se vend assez bien pour créer l'exploitation. On le vend beaucoup moins cher que ça, donc on vend à perte par rapport au coût. Mais comme les centrales existent, ben on les fait fonctionner. Cela dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en arrêter 10 réacteurs ou 12 réacteurs que personne. Y compris les gens de l'Alsace sur la route Fessenheim. En général, Fessenheim est arrêté d'ailleurs. Les deux sont en train. Le coût de la durée de l'allongement de la durée de fonctionnement, c'est-à-dire les travaux qu'il faudrait faire pour aller au-delà des 40 ans, c'est à peu près 100 milliards d'euros pour des comptes. Le coût du nucléaire futur, on l'a vu tout à l'heure, c'est entre 115 et c'est, on a vu dans le tableau américain et on l'a vu dans le Intepol. 115 à 120 euros le mégawattheure. Donc ça, c'est ce qu'on sait à peu près, les coûts actuels et les coûts futurs d'investissement. Le coût du démantèlement, c'est la brasse coulée, il y a un rapport remarquable de l'Assemblée nationale, dans le rapport, je ne sais pas si on dit rapporteuse ou rapportrice. Rapporteur, fait partie de cette honorable Assemblée, et donc, Le coût du futur, c'est-à-dire le coût du démantèlement et le coût de la gestion des déchets, on a une certaine idée de la gestion des déchets, puisqu'il y a déjà des dépenses qui sont effectuées, mais le gros, ça serait justement ces fameux déchets dont on ne sait pas quoi faire. EDF et Areva et Seva, d'ailleurs, doivent faire des provisions. Ces provisions, c'est donc de l'argent qu'ils peuvent mettre de côté. Donc ça fait partie de leur calcul, de leur bilan économique. EDF dit que le coût du démantèlement par réacteur, c'est entre 300 et 400 millions d'euros. Vous allez de l'autre côté du Rhin, avec des compagnies d'électricité qui sont en train de démanteler,
Et ils vous disent que pour un réacteur de 1000 MW, c'est à peu près l'unité, c'est entre 1 et 1,2 milliards. E.ON, qui est une compagnie d'électricité comparable à EDF, le dit, un peu mieux géré, il dit, on avait estimé à 1, mais c'est plutôt 1,1, 1,2. Bon, 300 d'un côté, aux États-Unis, c'est 1,5 milliards pour des réacteurs comparables, pas réacteurs. Donc le coût du démantèlement devrait être comptabilisé beaucoup plus élevé pour avoir des provisions, c'est-à-dire pour pouvoir le payer, le faire, parce qu'on peut le faire. Et le coût de la gestion des déchets. Et l'image la plus illustrative que j'aurais pu citer, c'est que le coût de Cigéo. Le coût de Cigéo, l'Andra qui a travaillé sur Cigéo depuis des années, a évalué les dernières évaluations qu'on connaît, c'est 35 millions. Tout en laissant entendre que ça serait probablement plus cher, parce que quand même, on ne sait pas. Comme la loi dit que le gouvernement décide du coût du CGO, l'EDF a dit que pour eux c'était maximum 20, le gouvernement, la personne, hein, c'est que la noyade, mais c'est pas sa faute, a décidé que c'était 25. C'est la loi de Trichot. Donc c'est extraordinaire. Et donc dans les incertitudes, vous avez non seulement des incertitudes connues, mais ces incertitudes qui sont en fait des mensonges et des. Même chose pour Areva qui a failli, donc l'État qui a fait 7 millions pour sauver, et les aventures internationales de l'EDF. Et ça manque. Les présentations sont disponibles si vous voulez revenir vers l'organisation. Je vous remercie.